tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Gamekult où vous le verrez, des moyens exceptionnels ont été mis en œuvre pour contacter le sud de la France, après Tokyo, après Los Angeles, après Cologne, désormais c'est Albi, The Place to Be, où l'on parlera jeux vidéo et notamment Watch Dogs 2 avec Crevette, que l'on aura en duplex, messieurs. On pousse les limites de la technologie. Et c'est, notamment pour ça qu'on a mis papa pour la vidéo et l'ordinateur, un Asus flambant neuf de 2007, qui est donc sur ce plateau et qui nous permettra d'assurer la connexion satellite avec le sud de la France, où on rejoindra donc Crevette dans quelques minutes pour parler du nouveau titre d'Ubisoft. On parle également de Planet Coaster. Gotos, t'as l'air très enthousiaste. En fait, tu t'es lâché de la table et j'ai failli tomber parce qu'on est sur une table qui est un peu pivot. La table continue en fait. Donc ça restera un enjeu pour cette émission, c'est de pas la faire tomber. Mais oui, enthousiaste pour Planet Coaster. Donc on en parlera en fin d'émission. Non, même pas, dans quelques minutes, puisque Watch Dogs 2 est à la fin de l'émission. J'ai mal lu mon conducteur. Et on parlera évidemment des news en un instant. Mais avant ça, un petit mot peut-être sur la diffusion de la semaine dernière. Vous avez bien remarqué évidemment qu'on était passé sur Dailymotion et YouTube. D'habitude, on est que sur Dailymotion. Et j'ai remarqué que ça faisait assez plaisir à beaucoup de monde. Quelle surprise. Je crois qu'on a 75% des commentaires qui nous remercient d'être passés sur YouTube. Alors juste, je voulais vous donner un peu l'explication et le contexte de cette migration sur YouTube. En fait, nous d'habitude on est sur Dailymotion, c'est notre player principal, on a un partenariat avec eux. Il faut savoir en fait une chose, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser sur internet, et même si évidemment YouTube fait beaucoup plus d'audience que Dailymotion, pour la plupart des sites médias, qu'ils soient jeux vidéo ou pas, en fait, faire de la vidéo sur YouTube, ça ne rapporte quasiment rien. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on diffuse sur YouTube une émission, ça va nous rapporter quasiment 15€ par semaine, ce qui est extrêmement peu vu les moyens qu'on essaye de mettre dans cette émission et notamment dans cette table. Alors que Dailymotion nous rapporte comme nettement plus. Donc ça, c'était la situation qui justifiait notre choix de passer par Dailymotion. Maintenant, on a repéré évidemment vos commentaires, on a vu qu'il y avait un souci technique avec Dailymotion, on les a contactés et c'est pour ça qu'en fait, depuis la semaine dernière et cette semaine encore, on aura Dailymotion et YouTube, comme ça, si vous avez un problème sur Dailymotion, vous irez sur YouTube. Sachant que, évidemment, on va vous proposer un lien sous l'émission pour d'abord essayer, évidemment, Dailymotion et nous dire si ça marche pas, qu'est-ce qui déconne, quels sont les problèmes, pour qu'ensuite l'équipe technique de Dailymotion puisse régler la situation et nous permettre de vous proposer deux players qui fonctionnent et non pas seulement une solution par défaut qui est YouTube. Donc voilà, c'est juste l'explication de la situation actuelle. C'est pour ça que cette semaine encore, il y aura deux players sur la news, mais gardez en tête que notre choix d'aller sur Dailymotion nous permet simplement de pérenniser le programme de l'émission, a fortiori si vous n'êtes pas premium et donc vous voyez de la pub et donc vous nous rapportez l'argent via la pub, sachez qu'a priori c'est plutôt Dailymotion qui peut nous aider et pas YouTube. Ce qui explique justement la situation d'aujourd'hui. Donc voilà, la digression est terminée, messieurs. On va attaquer la news avec le point news, le jingle du point news. C'est parti. On attaque ce point news avec une information sur la NX, ou plutôt la Switch, Puyo, qui sortira toujours, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, au mois de mars 2017. Et on pensait que peut-être Zelda serait du lancement, et maintenant il y a un petit doute. Il se pourrait que non, et ouais. C'est des sources bien informées, corroborées par Eurogamer, qui quand même ne sont pas les derniers sur tout ce qui est Switch. Je pense qu'il y a vraiment un filon en Angleterre d'ailleurs, je ne sais pas qui est chez Nintendo en Angleterre qui balance tout, mais ils voilà. Ils devraient checker les mails, effectivement. C'est là-bas que ça se passe, nous, c'est pas à nous que ça arriverait, hein, malheureusement. voilà, donc il se murmure que Zelda prend du temps, parce que c'est un projet d'envergure, un open world comme ça, du jamais eu. Même si, en fait, il faut bien préciser, pour ceux qui s'inquiéteraient d'avoir acheté une Wii U pour rien, il y a un peu tard, mais la version Wii U n'est pas forcément en cause. C'est le projet Switch qui serait retardé. Non, c'est le projet global, c'est-à-dire que les sorties sera simultanée sur les deux consoles. Ah oui, donc priori, la version Wii U mais c'est juste que le jeu demande plus de travail que prévu, sachant qu'il a été quand même annoncé en 2013, montré en 2014, qu'il était prévu pour cette année, et puis finalement il a basculé en 2017 sans plus de précision. Et ça veut dire que tout le processus de localisation a encore lieu actuellement. A priori, ça aurait lieu jusqu'à la fin d'année. Et c'est ensuite que viendraient les phases de test, et comme on ne teste pas un jeu a priori à open world comme ça en l'espace de 3 mois, ça voudrait dire que donc que le... Je cherche pas à démoraliser les devs d'FF15 s'il te plaît. Que Breath of the Wild ne serait pas disponible, la sortie ne coïnciderait pas en tout cas avec le lancement de la Switch qui lui est prévu pour mars, et du coup le rôle d'ambassadeur reviendrait au Mario, à Mario plutôt, et... un Mario qui devrait être présenté, là encore, ça, là, c'est une grosse rumeur, durant l'événement Switch qui aura lieu. Ils annonceraient un jeu le mi-janvier. Le 12 janvier pour une sortie, donc au plus tard au 31 mars. Quoi. Ouais. C'est assez court. Quoi. Un Mario qu'on dit un peu plus ouvert, qui reviendrait un petit peu aux sources de Galaxy Mario 64 avec des étoiles, enfin en tout cas des objectifs dans un même
dans un même niveau. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle d'ailleurs pour les éditeurs tiers, puisqu'on sait souvent que sur console Nintendo, c'est Nintendo qui vend en premier lieu. Je me rappelle, j'étais en fait sur les Champs-Élysées à la sortie de la Wii, et en fait, toutes les Wii qui se vendaient partaient avec le Zelda. Donc ouais. Peut-être que ceux qui justement s'inquiétaient du côté un peu. Vampirisation de Zelda, ouais. Bon, peut-être après, soit Mario, soit Splatoon. Oui, oui, je Il y aura quand même. Il y a des rumeurs d'un bundle avec Splatoon. Rumeurs d'un bundle avec Splatoon, rumeurs d'un. Enfin, comme les jeux qu'on a vus finalement, un Mario Kart rafistolé, un Super Smash Bros. Revu et corrigé. Enfin, voilà. Ok, donc on va suivre évidemment ça. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas forcément d'informations avant le mi-janvier. Ce genre d'infos. Oui. J'imagine qu'ils donneront ce genre d'infos avant la. Pas avant la conférence de janvier. Ah non, non, et de toute façon, ils ont dit que tout ce qui aurait trait à la Switch maintenant, il faudrait attendre cette conférence-là. Y a juste les éditeurs tiers qui se prononcent un petit peu, notamment EA qui a dit, qui est allé de son côté pour dire que voilà, il y aurait forcément un ou deux jeux, un ou deux gros titres prévus sur la Switch, évidemment, même si je crois que c'est Blake Jorgensen ou un type de chez eux a dit on ne sait pas trop encore si la sauce va prendre, grosso modo, si le concept de la Switch va marcher et si les gens seront prêts à avoir un deuxième. Parce qu'une prudence d'ailleurs assez inhabituelle de la part des machines portables, parce que souvent ils n'hésitent pas à crier leur amour pour n'importe quelle plateforme qui est annoncée pour finalement se. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils ont sans doute été échaudés par la Wii U et le line-up. Ils avaient fourni Mass Effect 3 et FIFA à la sortie et finalement, ça a été un petit peu perdu, puisqu'il y avait un an d'écart quasiment entre les versions. Enfin, en tout cas, c'était pas un vrai FIFA, et c'est Mass Effect 3 était disponible depuis plusieurs mois avant la sortie sur Wii U. Donc je pense que voilà, ils sont un peu échaudés, et à voir si les fameux gros projets dont ils parlent seront vraiment aussi des projets d'envergure. FIFA Fit. La version mobile, il apparaît sur tablette. FIFA Switch. Ouais, pourquoi pas. Toujours chez Nintendo, mais cette fois-ci sur mobile, il va falloir prendre l'habitude. Oulapoire, on a un peu plus d'informations sur Super Mario Run, donc le jeu free to play, qui sort dans 3-4 semaines. Ouais, il est freemium, on va dire. Ouais. Ce qui était en fait la formule présentée dès le départ, même s'il y a eu un peu de confusion au moment de l'annonce. Toujours est-il que le jeu sortira le 15 décembre et que pour débloquer l'intégralité du contenu, il faudra payer 10€ ou 10$. Ça sera un gros lancement puisqu'il sera disponible dans plus de 150 pays en Day One. Et jusqu'ici, ils ont montré juste une nouvelle vidéo en fait, qui est un peu un tuto pour voir comment se joue ça Mario. Ça va pas très vite, pour un runner. Ouais, mais ça va pas. Je pense que c'est les niveaux de départ, ça aussi. Ouais, super. Et il se trouve que, comme on l'avait dit, c'est vraiment le même concept quasiment que Rayman Jungle Run et Fiesta. Ouais. Fiesta Run aussi, sachant qu'il y aura une partie customisation, ou du moins création, qui te permettra en fait pas de faire des courses, mais de customiser le royaume champignon qui est autour. Ça, je pensais que je pouvais customiser Mario, j'ai eu peur. C'est pas impossible qu'après il y ait des skins pour Mario, hein, sachant que ça reste un jeu mobile avec des microtransactions, ils peuvent le faire. Mais il y aura un système de tickets en fait dans le jeu qui te permettra de remplir des défis où tu pourras jouer solo ou contre d'autres joueurs et après ça te permet de remporter des objets pour meubler un peu ton royaume, sachant qu'il y aura sûrement des microtransactions pour acheter des pièces et acheter plus vite des éléments sur le jeu. Enfin, t'as un minimum d'intérêt pour ça ou j'ai pas l'impression pas plus que ça, d'autant plus que j'ai pas d'iPhone ou pas d'iPad, donc moi ça va être vite fait pour y jouer. Le multi a l'air cool. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais c'est vrai que le fait de jouer à deux, des petits défis comme ça, collecte de pièces, etc., ça peut éventuellement doper un peu la durée de vie. Pouillot, c'est Mario. Curieux, ce jeu-là hein? Oui, je suis curieux. En fait, je suis curieux, mais pas forcément pour des bonnes raisons. C'est juste que je me dis qu'un petit enfant en bas âge, effectivement, ce sera beaucoup plus facile pour lui d'appréhender l'univers de Mario de cette manière-là. Un Super Mario 3D World ou autre, mais bon, je prêche un peu pour ma paroisse. La seringue sera plus petite. Voilà, exactement. Ok, bon, c'est noté, ça sort dans quelques semaines. Gotos, des nouvelles de Telltale qui pourrait a priori s'occuper d'un nouvel univers. Oui, d'un nouvel univers. C'est bien, tu ne m'as pas fait une brève, parce que c'est une brève, je ne vais pas avoir grand chose à dire. T'inquiète pas. Effectivement, il semblerait qu'une saison, en tout cas, de Guardians of the Galaxy, donc la licence Marvel, soit en développement du côté de chez Telltale. Alors pour l'instant, c'est quelque chose qui aurait été éventé il y a peu de temps. Ça devait être une surprise qui devait être dévoilée le 1er décembre. Là, a priori, ça commence à se confirmer. Ça pourrait permettre en fait une sortie en même temps que le second film de James Gunn en 2017.
puisque voilà, le trailer est sorti il y a quelques temps, ce trailer-là en l'occurrence, je crois, oui. Donc Guardians of the Galaxy 2. Là où c'est intéressant pour nous, c'est que ça, c'est une date de sortie. Enfin, je sais que si le fond coïncide avec la sortie du film, c'est pas tout de suite en 2017. D'accord. Ça veut dire que peut-être Telltale pourrait en profiter pour prendre le temps de peut-être retaper un peu sa formule. Après un Batman qui est quand même un petit peu mi-figue, mi-raisin, surtout auprès des gens qui sont coltinés tous les autres narratifs à choix, enfin à faux choix déguisé de Telltale. Et donc, peut-être l'espoir que voilà, qu'il revoit les choses un petit peu différemment, ou alors qu'ils décident de faire ce qu'ils savent faire, mais de profiter de l'humour particulier que James Gunn et Kevin Feige ont mis dans ce film pour en faire une sorte de ce qu'ils avaient fait pour Tales of the Borderlands. Ouais. Là, ils n'ont pas été aussi bons depuis longtemps que sur Tales of the Borderlands. Donc, Juste une question, parce que j'ai du mal à suivre maintenant tous les projets Telltale. Ils ont quoi actuellement en cours? C'est-à-dire qu'ils ont une nouvelle saison de Game of Thrones qui va arriver, je crois. Et ils ont une qui a été confirmée. Bah, en même temps, ouais. Sinon, ça tombe bien, sinon la première ne sert absolument à rien, parce que c'est un teaser pour la seconde saison. Un peu comme dans la série. Ils ont Batman qui est en cours, qui n'est pas fini. Ils ont terminé Minecraft, je crois. Ouais, Wolf Among Us c'est terminé aussi. Wolf Among Us c'est largement terminé et à mon avis, je sais pas s'ils rebosseront en tout cas avec cet éditeur de comics là. Par contre, tu parlais d'une saison 3 pour Walking Dead, il me semble. Oui, exactement. Il y a aussi Tales from the Borderlands, en fait là c'était Gearbox qui était intéressé pour continuer. Après, je sais pas s'ils vont passer par Telltale. On les comprend d'un côté. Mais voilà, là ce serait. Mais en fait, on savait depuis 2015 qu'il y avait du Marvel dans les cartons du côté de chez Telltale. On savait pas qui allait. Tout le monde s'imaginait plutôt un personnage un peu, par exemple du Doctor Strange ou du Iron Man, ou des choses comme ça. Bah voilà, finalement c'est Guardians of the Galaxy, ce qui est plutôt pas mal parce que t'as beaucoup de personnages et que du coup voilà, via le MCU maintenant c'est une série encore plus drôle qu'elle ne l'était en comics. Donc pourquoi pas, à voir. À voir. Stoon, un petit mot sur Total War Arena qui va passer free to play. Oui, alors c'est pas vraiment ça la news. La grosse news, c'est que le passage free to play en fait se fait par l'intermédiaire d'une alliance entre Creative Assembly et Wargaming. Ouais. Donc Wargaming qu'on connaît pour World of Tanks, World of Warship ou World of Warplanes, donc le géant du free to play biélorusse qui est assez connu maintenant et qui donc va s'associer avec The Creative Assembly pour Total War Arena, qui en fait existait déjà. Il avait été annoncé en 2013, donc ça fait déjà pas mal de temps. Il y avait eu des phases de bêta et d'alpha à moitié ouvertes, à moitié fermées, donc pas mal de gens avaient pu déjà y jouer. Et en gros, je pense que The Creative Assembly essaye de trouver un modèle économique aussi à son jeu, puisque le modèle classique, pour eux, ça rapporte moins. Quand on regarde les chiffres de vente, par exemple, des derniers Total War, enfin en se basant encore une fois sur les approximations de Steam Spy, mais ça donne quand même une bonne tendance. Le dernier qui s'est donc en date, c'est Total War Warhammer et c'est 950 000 ventes, donc il n'est même pas million seller. Avant lui, c'est Attila, c'est 740 000 et avant c'est Rome 2 qui était à 2,5 millions. D'accord, donc tu vois, ouais, en fait, il y a vraiment une chute. Avant Shogun 2, 2,8 millions et Empire Total War, 3,5. Après, il faut prendre en compte aussi le fait que c'est des ventes sur la longue traîne avec les promos Steam, etc., donc qui permettent de ramener plus de monde. Pourtant, les derniers sont pas mauvais. Enfin, mais voilà, Total War Warhammer, qui est quand même une licence Warhammer, qui est sortie il y a un an, même pas. Ouais, un peu moins. Ouais. Il est sorti un peu moins d'un an. Il est même pas, enfin, en tout cas, approximativement million seller sur Steam. Ce qui est quand même assez inquiétant pour un truc qui est une grosse machine. Donc je pense qu'ils essayent de se diversifier aussi dans leurs revenus avec un truc qui demanderait peut-être moins d'investissement en termes de production. Et s'associer avec les gens qui savent a priori faire pour Wargaming, pour Creative Assembly, c'est de trouver un partenaire qui a trouvé un modèle qui fonctionne dans le milieu, qui a une entreprise qui fonctionne. Enfin voilà, tous les World of fonctionnent très très bien. Et pour Wargaming, ça leur permet de s'associer avec des studios de renom et des licences aussi de renom et de plus avoir cette image un peu de gens qui se coltinent que du free-to-play. Donc je pense que ça peut être bénéfique pour les deux. Et maintenant, à voir ce que ça donne. En sachant que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Total War Arena, ça reprend juste la phase de combat des Total War et ça se joue en multi, en coop. En gros, tu as deux armées, c'est à 10 joueurs et chacun, tu contrôles que 3 régiments. Au lieu de contrôler vraiment une armée entière, t'as que 3 régiments et c'est plutôt un côté... C'est bien. J'ai pas pu foutre les mains dessus, mais d'après les retours que j'en avais eu de certains potes, c'était assez intéressant.
Okay, affaire à suivre. Affaire à suivre, mon cher Stoon. Pouillon, on parlait de Daytona 3 il y a quelques jours, quelques semaines. Là, tu as du nouveau, dans une vidéo. Du nouveau, ouais, c'est juste ça, un teaser. Ouais. Maintenant, dès que c'est japonais, c'est japonais, c'est juste que c'est Daytona, ça fait depuis 98 qu'il n'y en a pas eu un vrai. Ah non, ça c'est l'ancien, ça. Mais oui, avec, donc avec la chanson. Et ça, c'est nouveau. Et voilà, vous n'avez rien vu, est-ce que. Ouais, on dirait ça. Donc voilà, c'était quand même le gros événement, enfin, une des gros. Des grosses annonces de l'IAAPA, le Salon International des Attractions. Puisque Daytona, finalement, la borne aujourd'hui, c'est quelque chose que tu trouves davantage dans les cinémas, dans les multiplex, ou dans la tête dans les nuages, la fameuse salle parisienne. On n'a d'ailleurs aucune info sur un éventuel portage console, tu vois, c'est vraiment juste une borne qui va se pouvoir se linker jusqu'à 8, qui va reprendre l'esthétique et les musiques de l'ancien Daytona, c'est un peu une sorte de... Parce que là, tout ce qu'on a vu en vidéo, c'est tout ce qu'on a du jeu, en fait. Ouais, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, il n'y a pas grand monde qui a pu poser ses mains dessus, puisque c'est un salon qui n'a pas forcément trait aux jeux vidéo de base. Mais voilà, au moins il existe, au moins il tourne, et ça fait 16 ans, 18 ans qu'on n'en a pas vu. Enfin si, on a eu droit à des remasters sur Xbox Live, mais pas un vrai Daytona 3, même s'il s'annonce quand même assez fidèle à l'esprit. Il y avait eu un truc avec GTI Club il y a quelques années, si je me souviens bien, pareil, qui était, ils avaient fait une ressucée sur Arcade, qui était ensuite arrivé sur console, donc il y a peut-être un peu d'espoir. Mais... Et c'était encore plus niche que Daytona. Parce qu'il y a pas mal de séries qui ont fini sur smartphone. Je pensais même, je crois que c'était récemment, j'ai regardé Ridge Racer, je me renseignais sur les vieilles séries d'il y a 10-15 ans. Et c'est vrai que bon, c'est déjà bien qu'ils reviennent là où ils sont nés. C'est quand même assez bizarre pour eux de revenir sur l'arcade, qui est un milieu qui rapporte plus rien. Quoi. Ouais, non, c'est plus un simple qu'autre chose. C'est un côté Sega, de dire voilà, on a toujours ces licences en stock. Ouais. Peut-être pour un portage console derrière. Ils ont envie de perdre l'exploitation, donc ils sont obligés de relancer un truc. C'est possible aussi. Ouais. Voilà, donc ils remettent un petit coup sur l'essence Daytona. Goto, je sais que tu as beaucoup d'amour pour Overcooked. Oui, je suis pas le seul, on est beaucoup. Non, mais tu justifies pas, ça me fait. On fait un coucou à Caroline. On fait un coucou à Caroline au passage. Oui, ouais. Donc voilà, c'est Overcooked, donc jeu de cuisine en coopération à 4, qui est un jeu bière, pizza, canapé absolument fantastique. Qui n'est pas du tout une simulation. Qui n'est absolument pas une simulation, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas pu faire l'objet d'un test chez nous parce qu'on était un petit peu débordé, mais qui a fait l'objet d'un super GK Live, qui a accueilli. On a gagné, selon la règle Game Cult, à savoir celui qui joue le plus sale l'emporte. Ou celui qui remporte la dernière manche l'emporte. Et donc The Last Morsel, premier DLC qui ne sera a priori pas gratuit, mais qui devrait apporter pêle-mêle une nouvelle campagne, des nouveaux cuisiniers à débloquer, des nouveaux niveaux. Sachant que vraiment, quand on parle de nouveaux niveaux dans Overcooked, c'est extrêmement particulier. C'est pas genre une cuisine. C'est par exemple deux camions qui se dépassent sur l'autoroute, qui ont chacun la moitié de la cuisine ou ce genre de choses. Voilà. C'est faire la cuisine sur un bateau qui tangue, c'est avec des tonneaux, des machins. Donc c'est un level design assez incroyable. J'ai hâte de voir ce à quoi ils vont penser pour ce DLC. Et je parle au futur alors qu'en fait c'est disponible depuis aujourd'hui, on tourne mercredi, donc voilà, samedi vous pourrez tranquillement prendre votre DLC sur Overcooked. Ouais, donc retenez Overcooked si jamais vous passez des vacances de famille un peu chiantes à Noël, si vous voulez mettre un peu tout le monde autour de l'ordinateur. C'est absolument énorme. Overcooked devrait a priori vous réconcilier avec le vieil oncle. Stoon, Rainbow Six Siege continue son bonhomme de chemin. Et Ubisoft a bien pris conscience d'abord évidemment des problèmes techniques qui avaient émaillé son lancement, mais aussi du potentiel commercial, e-sport, street cred de la série, puisque Ubisoft annonce continuer dans l'exploitation de Rainbow Six Siege avant même de commencer à penser à une suite. C'est ça, donc en marge de l'annonce de l'arrivée du DLC, donc qui arrive le 17 novembre, le DLC Red Crow, qui rajoute une carte et deux opérateurs, ils ont annoncé qu'il y aurait un an encore, enfin ils supporteraient le jeu pendant un an, donc c'est-à-dire qu'ils vont se fournir du nouveau contenu, des DLC, des skins, des maps, tout team, sans préciser bien entendu ce qu'il y aurait dedans. Il y avait la Pro League aussi dernièrement qui a eu sa finale, qui a pas mal marché, enfin j'ai regardé là sur YouTube, il y avait pas mal de vues, en tout cas pour ce truc qui reste quand même assez confidentiel parmi tous les mastodontes. J'étais voir un peu les stats, on est à 1,2 million de ventes sur Steam, donc après il faut compter aussi les ventes sur Uplay qui sont pas décomptabilisées, pardon. Et il y avait un week-end gratuit ce week-end, enfin donc de la semaine dernière vu qu'on enregistre un peu avant, et il y avait aux alentours, je crois, de 40 000 joueurs simultanés. Là, on est, alors quand on est normal, on est aux alentours de 12-13 000.
D'accord. Joueurs en simultané, donc ça marche plutôt bien en fait. Ils ont réussi à trouver leur public, à le fidéliser. Voilà, c'est les. C'est vrai que le suivi est exemplaire. Ça reste assez stable si tu regardes sur toute l'année, c'est le même nombre de joueurs tout le temps. Enfin, tu vois, il n'y a jamais de chute. Et c'est vrai que moi j'avais joué au jeu quelques mois avant de laisser tomber, mais c'est vrai qu'ils alimentent comme assez régulièrement en opérateur. Enfin, c'est comme plutôt positif qu'ils ne laissent pas le jeu tomber dans les oubliés juste pour préparer. Après, pour eux, c'était, je pense, il y avait un défi aussi avec le jeu, c'était de justement comment faire pour rentabiliser un jeu sans justement avoir ce côté DLC payant tout le temps que peuvent avoir des Division, des trucs comme ça, enfin tu vois, avec des gros contenus qui arrivent tout le temps, même à Assassin. Et justement en écoutant cette communauté et en faisant en sorte que le jeu fonctionne bien et c'est comme ça. Surtout je crois savoir qu'ils n'ont pas non plus remboursé à faire de l'e-sport autour de Homosic, ils sont très inspirés par le modèle Counter-Strike. Ils en font avec la Pro League là, mais maintenant après le problème c'est les audiences. Oui. Si t'as pas des grosses audiences, t'as pas des gros annonceurs, et si t'as pas de gros annonceurs, t'as pas de gros prize pool. Donc à moins que Ubisoft sorte le carnet de chèques pour signer des énormes prize pool. Mais il y a quand même, voilà, il y a des compètes, je disais, voilà, la semaine dernière, c'était les finales. Voilà, donc Rainbow Six, a priori, on va continuer à en parler dans les prochains mois, notamment avec le contenu qui arrive. Et on termine ce point news. Alors, peut-être avez-vous joué à FF15 ce week-end via la démo pourtant réservée aux Japonais. On ne comprend pas, vous téléchargez du contenu réservé à un autre continent. Les Japonais ont dû être surpris de voir le nombre de streams occidentaux sortir le week-end. FF15, donc la démo Judgment est sortie. On est même plusieurs, je crois, à l'avoir essayé. Pouillot, je ne sais pas si tu as eu le temps. Non, tu vois pas. Non, parce que refaire trois fois le prologue à c'est deux mois d'intervalle, ça risque d'être un peu. Ils ont rajouté les trucs. Oui, ça j'imagine. C'est décisif, ça change tout. Mais en tout cas, voilà, la démo est sortie, donc c'est le prologue, c'est là une heure et demie de gameplay à peu près. Je crois que Boulapoire l'a essayé. Alors je sais pas si t'as vu des bugs, Boulapoire. T'as vu des bugs? J'en ai eu quelques-uns, mais c'est plus des bugs de. Comment dire des bugs de lumière, des trucs d'éclairage. Il y a des trucs qui se mettaient à briller de façon totalement anormale. Quelques murs invisibles, mais ça c'est pas du bug, c'est it's a feature. Je suis allé jusqu'au bout en fait. Je m'attendais à ce que ce soit très court parce qu'ils annonçaient une heure à une heure et demie de jeu. Ouais. Et ça en fait, c'est si tu suis vraiment la quête principale. Sinon tu peux quand même passer. Il y a quand même des mob hunt, il y a pas mal de trucs à explorer en parallèle avec évidemment beaucoup de limitations des zones auxquelles tu arrives et ils disent cette zone n'est pas dans le Judgment Disc, merci d'acheter le jeu final. Vous pouvez le précommander d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, à la fin, il faut acheter le jeu en fait. Comme c'est écrit en japonais, j'ai fait aïe, et à la fin, j'étais devant le PSN avec ma carte bancaire. Voilà. J'ai fait une demi-tour. Et tu as fait oui, et voilà, merci. 8500 yens, c'était gentil, l'édition collector. Mais du coup, si je te parlais de bug, évidemment, c'est pas pour mettre une mandrille supplémentaire au développement laborieux des FF15, qu'on a d'ailleurs peut-être même reçu au moment où vous verrez cette émission. C'est tout simplement pour annoncer que Square Enix a communiqué autour de l'état de sa démo, et même ça a voulu se montrer rassurant puisqu'il souhaite corriger des bugs de la démo. Ouais, alors c'est pas tout à fait clair dans la communication de Tabata, qui est donc le directeur, le réalisateur du jeu. On sait qu'il est, il parle de patch. Il y aura des patchs, notamment pour le jeu final, pour mieux intégrer Kingsglaive. Parce que c'est vrai, ils se sont rendus compte que l'intro du jeu, sans Kingsglaive, tu comprends que dalle, quasiment rien. Là, pour l'instant, ils ont fait juste des petits inserts de genre 3 cutscenes en 5 secondes. Oui. Et c'est un des rares trucs qu'on peut dire à ce stade, c'est que par rapport à la version que, alors je sais pas si Puyo était jusque là, la version que moi j'avais faite il y a deux mois, il n'y avait pas du tout de Kingsglaive dedans. D'ailleurs, tu commençais direct avec le prologue où tu vois le gros événement. Le gros événement se déroulait, ouais. Il te le commente, mais on le voit pas, et du coup ça faisait un peu bizarre. Exactement. Et il se trouve que ils vont continuer en fait à bosser sur des patchs même pour le jeu principal. Alors j'espère pas pour eux qu'ils vont être obligés de patcher Judgment Disc, parce que faire des patchs sur une démo alors que le jeu sort dans deux semaines, peu... Mais j'ai compris que c'est patché la démo, alors t'as pas le compris. C'est ce qu'avait mis Jarrod dans la news. Alors moi je suis allé voir un peu les tweets, c'est pareil, c'est un peu ambigu les propos de Tabata. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que la démo, la build de la démo date d'il y a peut-être un mois ou deux, tranquillement. Donc, ça c'est possible, c'est vraiment... Déjà dû être c'est une démo qu'ils ont faite spécialement comme du Sky, comme Platinum Demo, qui d'ailleurs va être disponible un peu plus longtemps que prévu, parce qu'au départ ils avaient dit... Vu qu'on vous met Judgment Disc, on va virer la Platinum Demo, celle où t'étais avec... pour le coup, ils peuvent la virer. Où t'étais avec Noctis, gamin, façon Kingdom Hearts, dans les environnements où la caméra perdait. Il dit qu'on voit le principe du moteur physique dans la démo, c'est intéressant. C'est ça. En fait, ils vont la laisser, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a dit « Ah, on la veut, on la veut, on la veut !»
Ils ont voté pour Donald Trump aussi, ces gens. Enfin, Donc, qui sont ces gens? Elle sera disponible jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Finalement. J'ai une question quand même à poser. Je vais pas jouer le vieux React, mais je vais faire le vieux React. Vas-y. Est-ce qu'on est littéralement quand même face à un jeu qui, sans un film spin-off, ne sait pas expliquer son histoire dans les premières heures? Oui. D'accord. Alors, si on dit premières heures, c'est ce que j'ai fait une heure et demie, oui. Donc, on est quand même. C'est comme si un jeu te disait au début, elle te disait, on va pas t'expliquer les personnages, mais tu devrais lire le petit bouquin qu'il y a dans la boîte. C'était a priori le cas jusque dernière prévue. Ouais. Mais a priori, c'est ce qu'ils veulent corriger. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, En insérant à la va-vite des morceaux du film. Bon, en tout cas, la démo, a priori, c'est la va-vite. Ils ont fait pas loin de la même chose avec Final Fantasy XIII. Où tu étais obligé d'aller voir dans le compendium pour comprendre. Parce que c'est vrai qu'avec 15, il y a le film King's Live qui revente actuellement sur les stores, je crois, qui sortit en Blu-ray. Hein. Ouais. Donc on peut l'acheter aujourd'hui. Donc il raconte en fait les événements avant FF15. Et aussi 5 petits courts-métrages dessins animés qui s'appellent Brotherhood. Et qui sont en fait des épisodes qui sont consacrés à la rencontre entre Noctis, le héros, et ses compagnons. C'est du bonus. Alors. C'est du bonus, mais en fait, il faut comprendre un truc. Et là, on va pas spoiler grand chose. De toute façon, on en parlera d'ici la sortie. Mais en fait, en gros, quand tu commences le jeu, t'es déjà pote avec tes potes. Voilà. Donc, en gros, la rencontre, c'est Brotherhood. Ok. Voilà. Donc, mais effectivement, avec un budget faramineux pour la série d'animation qui est dégueulasse. Enfin, il y a peut-être un épisode qui est un peu joli, et puis après, le reste. Donc, on verra. Mais en tout cas, mais c'est vrai que c'est moi une de mes inquiétudes, c'est est-ce que le jeu se suffit à lui-même d'un point de vue d'histoire. Oui, etc. Parce que regarde déjà ce qui se passe avec le film. Quoi. Enfin, c'est le point de départ scénaristique est dans le film. Quoi. Enfin, l'élément perturbateur de l'histoire est dans le film. En fait, voilà, le film raconte l'histoire du père du héros. Donc, en gros, évidemment. Donc, déjà, il y a un souci dans le jeu. Oui, c'est inquiétant en termes d'écriture, en fait. Parce que si le jeu est infoutu de s'auto-expliquer. C'est transmédia, mon gars. Et si tu prends la collector, t'as tous les films dedans. Bref, on verra, mais en tout cas, oui, ils ont fait déjà un effort parce qu'effectivement, comme l'a dit Boulaport tout à l'heure, ils ont remis des extraits du film dans le jeu, donc peut-être qu'à la fin, on aura. Peut-être qu'il y a dans la démo. Ouais, on verra bien. En tout cas, voilà, messieurs, pour FF15, ce sera le dernier point news. On parlera d'FF15 au futur. Puisqu'a priori, le jeu est terminé, je pense. Enfin, quoi que non, vous pouvez calculer, mais je crois que t'as peut-être. Le jeu est terminé, pas la démo. Je crois qu'on a encore une semaine de libre avant l'émission qui en parlera. Ouais, mais on aura signé un NDA comme ça, donc on en parlera plus. Voilà, ouais. T'inquiète pas. Donc voilà, en tout cas, FF15, c'est pour bientôt. Sorti en France le 29 novembre sur console, mais pas sur PC. Messieurs, parlons un peu de PC, justement, avec Planet Coaster. D'accord. Un jeu qui a complètement renversé ta semaine. Tu es fébrile devant ton écran. J'ai fait beaucoup de looping, donc techniquement, oui, je me suis pas mal renversé durant cette semaine. Encore plus retardé, c'est post-déj. On nous a parlé peut-être du premier 10 sur 10 de GamePulse. J'ai vu ça sur Twitter, les gens me demandaient quand est-ce qu'il y a de l'emballement encore. Mais sache que le bouton ne fonctionne pas, tu pourrais essayer. Oui, je sais. On l'a scellé après le cas BioShock, comme ça. Ragal a dit plus jamais après moi. Bref, on va en parler, c'est juste après le trailer. Un petit peu de ce Planet Coaster Gotos qui est disponible donc cette semaine que tu es en train de tester au moment où l'on se parle, avec pas mal d'enthousiasme. Oui. Et pourtant, c'est un jeu dont le genre est assez connu, assez classique. Assez connu, mais assez... On peut d'ailleurs le soupçonner de pas être forcément sujet à un énorme potentiel d'évolution, parce que le concept est super simple, c'est fabriquer un parc d'attractions. Voilà. Et pourtant, il y a quelque chose de très particulier et de très nouveau dans ce Planet Coaster. Donc, qui pour rappel est développé par Frontier, qui sont donc les développeurs de Elite Dangerous, mais également les créateurs à la base de Roller Coaster Tycoon, avant que ça ne soit récupéré par Atari. Ou comme ils disent sur Rock Paper Shotgun, le monstre qui porte la peau d'Atari. pour qu'ils en fassent donc le RTC4 sur mobile, terrible, et World qui sort aujourd'hui, le jour où on le sens du timing est un jour avant Planet Coaster. C'est vraiment la classe absolue. Après une longue période d'early access qui a permis à tout le monde de trancher, de dire que c'était un bien mauvais jeu par rapport à Planet Coaster. Donc là, Planet Coaster, ce qu'on voit en fait,
C'est tout son outil de décorum qui vous permet, en fait, là, tout ce que vous voyez, c'est mon parc. Tout ce que vous allez voir, c'est des trucs que je rajoute moi. Mmh. Donc, tout ce que vous voyez autour, c'est des choses que j'ai rajoutées à la main. Et en fait, il n'y a absolument pas de grillage où tu fais tes routes et tu poses tes machins. Oui, certes, tu as ta file d'attente, ta file de sortie, etc. Mais ensuite, tout est, c'est toi qui rends les choses organiques en rajoutant la végétation, le décor. Plus tu vas, en fait, te balader dans des parcs d'attractions et plus tu vas te souvenir un petit peu de comment c'est foutu Disney, plus tu vas te souvenir que la file d'attente, elle est jamais à nu. Elle est toujours, on te crée une histoire autour. Bon, là, mon histoire, c'est des distributeurs de billets, c'est pas tip top. mais voilà, c'était pour vous montrer qu'en gros, là, tu poses le départ de ton roller coaster, ensuite tu fais edit le bâtiment, et ensuite tu poses des murs, tu poses des plafonds, tu poses des portes, tu poses des machins. Et tu peux littéralement faire absolument tout ce que tu veux avec cet outil parce qu'il est extrêmement précis. En fait, c'est des briques, c'est des Lego. Mm-hmm. Et en fait, là, leur banque de Lego, là, je suis encore sur. Malheureusement, je fais le gros de mon test sur la version preview parce que la version review n'accueillera en fait que tout le contenu des parcs, des nouveaux parcs. Il va y avoir le parc horreur, le parc machin. D'accord. C'est juste du contenu en plus. Donc là, voilà, j'ai fait juste un exemple avec un bout de mur. Mais tu peux tout faire comme ça. Tu mets tes écriteaux, tu mets tes machins. Et surtout, la base du jeu, c'est que c'est supporté par un moteur de simulation déjà au niveau du visiteur. Qui est extrêmement convaincant. Je t'avoue que là, c'est vrai que pour moi qui suis complètement étranger et insensible à ce genre de jeu, passer au-dessus de ton épaule et te voir expérimenter, parce que c'est un jeu évidemment basé sur l'itération encore. Ah oui, beaucoup. Ouais. C'est vrai que à regarder, c'est sympa en fait. À regarder, c'est sympa déjà parce que tu sais que tu vas avoir beaucoup de. Enfin, tu vas pas avoir trois skins de visiteurs qui sont toujours les mêmes. T'as une question démographique autour des visiteurs. T'as les vieux, t'as les jeunes, t'as les groupes de jeunes, les familles. Il faut que tu puisses contenter chacun, que les vieux puissent s'asseoir sur des bancs pendant que les jeunes sont dans les petits manège, tout ça c'est géré. Et puis ensuite tu vas voir tout le principe de trafic et le fait de concentrer les gens sur des places sur lesquelles tu vas mettre des magasins, parce que c'est vraiment sur les magasins que tu fais tomber finalement moins que sur les attractions. Et puis ensuite tu vas avoir une couche entière de gestion, enfin pas vraiment entière, ça aurait pu être mieux du côté de la gestion, mais où tu vas pouvoir quand même gérer tomber tes emprunts, ta recherche et développement, ton staff, leur entraînement, leur augmentation de salaire. Regardez quelle boutique vend, quelle boutique ne vend pas. Alors les artefacts de que vous voyez sur la vidéo, là c'est probablement parce que le jeu n'aime pas trop la capture via l'outil Nvidia. Mais sinon, il n'est pas encore parfaitement optimisé. Mais par rapport à ce qu'il est capable d'afficher, par rapport à tous les calculs qu'il y a derrière, c'est quand même déjà très, très convaincant. Mais c'est vrai quoi, comme tu dis, la partie gestion est un peu plus légère. En fait, vraiment, l'emphase est mise vraiment sur la construction et le côté assembler le truc. C'est parce que là, moi, je suis en train de mettre à la place de celui qui connaît pas la série Roller Coaster Tycoon, qui découvre ça. Première chose, c'est qu'il va flipper parce que ça a l'air comme super précis. On voit les captures comme ça. Il y a énormément de variables. Est-ce qu'on peut s'y mettre sans non plus être complètement rebuté. Là, ce que tu vois, c'est quand même le résultat de nombreuses heures à rendre le truc organique et touffu. Maintenant, moi, je sais ce qui se passe. Je sais que là, il y a une poubelle, que là, il y a un machin, parce que c'est moi qui l'ai mise, etc. Mais à la base, tu fais un truc beaucoup plus... Là, c'est chez toi, ça ? Ouais, c'est chez moi, ça. À la base, tu fais un truc beaucoup plus clair, où tu vas juste... Tu vas mettre... Au début, tu vas avoir une habitude un peu quadrillage, un peu thème hospital, où tu vas mettre les choses les unes à côté des autres, tu vas pas trop oser partir dans de la courbe, etc. Et puis, il manque encore toute la partie didacticielle qui, habitude de chez Frontier, maintenant, c'est des vidéos qui sont accessibles via les menus. Les scénars qu'ils mettent. Mais les scénars, t'as tout un système de scénars et de challenges qui te met face. T'en as un, c'est t'es dans le désert, il faut reconstruire un parc d'attractions qui est à côté d'un monolithe extraterrestre qui fait que tes manèges cassent tout le temps. D'accord. Donc il faut que t'apprennes à bien gérer et tes mécanos et le salaire de tes mécanos, etc. Et puis le prochain scénario, ce sera autre chose. D'accord. Ce sera les gens qui sont censés. Les mascottes qui sont dans les déguisements, d'accord, etc. Une phase, on va dire, d'apprentissage qui t'as une phase d'apprentissage. Réelle Après, moi, je trouve que la gestion, elle a pile poil le bon dosage. C'est pas thème park qui va te dire mets plus de sel dans les frites, on achètera plus de coca ou ce genre de choses. C'est pas aussi micro que ça. En revanche, je trouve que ça fait tout le job par rapport au fait qu'à la base, c'est quand même plus un jeu de construction de parcs d'attraction que de gestion. La gestion, à la limite, c'est du bonus. Là, on voit un gros roller coaster parce que voilà, le truc s'appelle Planet Coaster. Donc, le but, c'est certes, t'as des petits manèges et des machins, mais le but, c'est d'avoir un outil de grand 8 qui soit top. Et là, l'outil de grand 8, il met la pété à tout ce qui existe actuellement. Tu peux absolument tout faire. Bon, à un moment, je ralentis la vitesse du jeu parce que voilà, j'étais en accéléré. Donc, tu peux faire des trucs, des boucles qui rentrent dans des boucles, etc. Mais surtout, tu as la gestion totale là-dessus.
Mais avant de te poser la question de est-ce que c'est fun, est-ce que c'est pas fun, mm-hmm. est-ce que le jeu va te faire en fait, il va te mettre en surimpression du rail où c'est fun, où c'est pas fun, où ça fait trop peur, où ça fait pas assez peur. D'accord. Pour te prévenir que bah, voilà, avec ce que t'as créé, eh ben, c'est les ados qui vont kiffer, mais les parents n'iront jamais dedans, mm-hmm. les enfants non plus. Mais ensuite, voilà, tu l'intègres complètement au décor. Là, par exemple, tu as une fonction qui s'appelle autotunnel, mm-hmm. et tu fais descendre ton rail dans le sol, il terraforme le sol pour que tu puisses descendre. D'accord, ouais, donc il est assez bienveillant quand même sur certaines fonctions. Il est bienveillant et surtout il te laisse absolument tout faire. Il y a toute une partie en fait qui est faire plaisir aux joueurs, mmh. mais pas forcément, c'est pas géré par la simulation. Mmh. Le fait que tout soit très joli, c'est ton kiff à toi. Mmh. Tous les décors, c'est toi voilà. qui choisis. Enfin, là, comme Gotos XPA a montré le truc de construction, tu vas tout lier à des objets déjà existants, mmh. et après les sauvegarder, tu peux exporter les blueprints, les partager sur le workshop de Steam, etc. Ouais. Mais t'es vraiment libre de faire ce que tu veux. Ah voilà, ça c'est mon magnifique parc. Non, c'est du work in progress, c'est chez les pirates. Mais ça, tu reconnais un peu chez toi là. Non, mais là c'est pour faire des tests. Non, mais c'était pour montrer un peu jusqu'où tu peux aller. Et encore, tu peux monter encore plus haut et faire vraiment des trucs qui ressemblent vraiment à rien en termes de roller coaster. Mais c'est vrai que le jeu t'encourage constamment à toujours aller plus loin, à tester des trucs. Ah, voilà. Tu vois, tu peux les faire passer au milieu des bateaux, enfin faire vraiment ce que tu veux. Le seul truc, c'est que t'as un certain contentement, comme disait Gotos, de certains publics. Et en gros, l'idée, c'est que tu vas remplir ce contentement en fonction de la peur, des trucs, des machins, mais aussi de l'aspect visuel. Donc là, on voit en surimpression, c'est une fois que t'as fait tes tests, le jeu te donne des heatmaps. Avec où est-ce que ça a été le plus vite, où est-ce que ça fait le plus peur à ces gens. C'est que tu peux vraiment tuner le truc 145 km/h. Ok. Mais voilà, tu peux vraiment tuner le truc. Tu peux vraiment tuner le truc au poil de cul près, enfin vraiment aller super loin dans le détail. C'est évidemment la question un peu provoque, mais qui joue à ça? C'est quoi? C'est pour les gens de Minecraft qui veulent devenir vraiment un truc plus sérieux en disant ok, je vais créer from scratch avec plein d'options, ou c'est comme un genre. Je pense que c'est différent de Minecraft, mais je pense que tu trouveras exactement le même plaisir, genre le grand bac à Lego qui va te permettre de créer l'endroit de tes rêves. Quand tu commences à bâtir un truc, que t'es à trois pauvres trucs assemblés et qu'au final tu peux te mettre en caméra visiteur comme ça et voir le truc que t'as fabriqué, tourner la tête autour de toi et te dire putain, c'est vrai que ça a de la gueule, il y a des trucs qui se passent, il y a plein de petites réactions qui se passent, les mecs se font éclabousser, tu les vois s'essuyer, c'est super soigné quoi, c'est les gens regardent autour d'eux, etc. Donc t'as la vraie le roller coaster, ça a toujours, ce type de jeu, ça a toujours été assez proche du god game, dans le sens où le but c'est quand même vraiment de posséder un univers, et là t'as une telle précision, tout ce que tu as posé, c'est toi qui l'as posé avec l'angle que tu voulais. Tu peux tout bâtir, tu peux créer des trucs, tu peux te lancer des challenges qui sont des challenges de type Minecraft. Ouais. J'ai filé des vidéos à Weber, il vous en montrera peut-être. Il y a des mecs qui s'amusent, il y a un mec qui a fait un roller coaster entièrement dans un cube. Mmh. Il a utilisé des murs de château pour faire un cube et tout le roller coaster est contenu dans ce cube. Il y a un mec qui a fait un quadruple, donc il a installé un truc que toi t'es déjà en train de galérer à en faire tenir un qui soit drôle. Lui, il en a fait quatre de suite et il les fait s'entremêler les uns avec les autres. D'accord. Donc ça, c'est aussi un défi, défi de création. Et esthétique aussi, parce que t'as un mode, t'as les modes classiques, mais t'as un mode aussi vraiment création pure où t'as tout qui est débloqué, construis comme tu veux, si tu veux faire tes tests, ou justement créer et partager avec les autres. Attention, là, ça va gerber un peu, je reviens. Je me souviens de cette... On va la garder, la capture, jusqu'à la fin, parce qu'il y a des enfants qui passent un sale moment. J'ai une question, est-ce que tu peux être dans la merde comme tu es dans la merde dans Theme Park, au sens où les visiteurs ne viennent plus, au sens où il y aura une tempête? Si jamais mettons que t'es une suite de casses dans tes manèges, et que t'es plus et que t'es que tu joues en mode challenge, donc le mode où tu perds de l'argent, enfin où il faut gérer l'argent. Salut les enfants, regarde. Il passe un sale moment. Ça doit leur rappeler Jurassic World, je pense. En fait, tu vas pouvoir effectivement avoir des moments où il va falloir te dire bon ben merde, là je suis désolé, mais il faut que je renvoie la moitié de mon staff pour redresser le parc. Si jamais tu décides de jouer avec la partie gestion, tu dois virer la moitié de ton staff, fermer la moitié des boutiques, à la limite vendre du matos. Parce qu'en fait, quand tu rases du matos, tu le vends. Les manèges tournent tout le temps. Sauf quand ils cassent, mais c'est tu toi peux qui... pas arrêter pour le reconstruire. Enfin, t'as pas une sorte de défilement de temps qui te... Non, en fait, t'as tout un système d'inspection. Tu peux demander à des mécanos de ne pas être là pour la réparation, mais pour faire de l'inspection et donc de la prévention de casse. Mmh. Donc t'as tout ça qui est quand même géré pour que tu puisses toujours être un petit peu maître de ce qui se passe. Et puis... Les événements saisonniers aussi, t'as pas trop de catastrophes.
T'as les trucs sur le long terme, ça va être la recherche, enfin ton arbre de talent, parce qu'en fait tu vas lancer des recherches qui vont te coûter de la thune et du temps, et ça va te permettre de débloquer des nouvelles attractions, des nouveaux thèmes, en sachant que ce que tu obtiens c'est aléatoire. Donc, ouais. C'est ça qui fait vraiment l'attrait sur le très long terme. Ouais, c'est ça, parce que le fun là-dessus, on parlait avec Goto tout à l'heure, il a mis une quinzaine d'heures à faire un part vraiment, mais sur mesure, parce que comme il le disait tout à l'heure, c'est crafté vraiment. Je dirais une dizaine pour ça, mais c'est parce que j'ai fait beaucoup d'essais aussi. Une fois que tu as fait ton parc et que t'es dans Goto's Land, c'est quoi la suite? T'en crées un autre ou tu l'améliores? Déjà, Goto's Land, la taille de la carte est assez satisfaisante, mais au niveau du contenu, tout ce que tu as à débloquer via la R&D, déjà c'est gigantesque, donc tu vas avoir plein de trucs. Et puis c'est pas juste le roller coaster du Sphinx et puis celui de la fusée ou ce genre de choses. Ils ont des spécificités. T'en as qui sont suspendus, t'en as où en fait tu peux créer des rails spéciaux qui vont faire pivoter les cabines. c'est un peu spécial. Ouais. Voilà, c'est le malade absolu qui fait des trucs. Après, tu vas partir dans un vrai délire des défis que tu vas te lancer. D'accord. Et surtout, ensuite, tu passes dans toute la dimension partage. Parce que c'est déjà lié depuis l'alpha au Steam Workshop. Il y a des gens depuis l'alpha qui s'amusent à refaire soit Six Flags aux USA qui est en passe d'être terminé, t'as Disneyland, etc. Et surtout, c'est pas juste par se partager des parcs. C'est mon bon ami Saucisse a décidé qu'il allait prendre des toilettes, mettre des gros cailloux marrons autour et appeler ça Cacaland. Il me l'a partagé et maintenant Cacaland fait partie de tous mes parcs. En gros, tout part sur le Steam Workshop, tu notes, tu as un browser qui te permet de voir des meilleurs trucs et en fait tu vas pouvoir, même si t'as pas envie de te faire chier avec toute la partie construction, pour revenir à ta question de tout à l'heure, tu prends les trucs qu'ont créé les autres, après tu les tunes, parce qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Une fois que tu as pris un truc, tu le déconstruis. Il faut juste que tu puisses l'acheter avec le pognon que tu as dans le jeu. Ce truc est malade. Qui correspond au nombre de pièces que le mec a mis dans le truc. Et après, ouais, tu peux t'en faire ce que tu veux. L'idée, c'est ce que tu disais, le lien qui est un peu avec Minecraft, c'est le côté, qu'est-ce que tu fais après? Tu fais plus gros. Tu fais plus gros, t'optimises, tu continues. Ouais. T'as toujours, tu vois, c'est vraiment ce côté, l'outil de création est tellement, t'offres tellement de possibilités, t'as toujours envie de tester un truc en plus. C'est vraiment, tu finis ton truc, tu fais, il était cool, qu'est-ce que je fais? Je recommence, je refais un autre qui va passer au-dessus, qui va être comme ça, qui va aller dans le sol. Puis après, tu vas peut-être te lancer d'autres défis, ça sera peut-être moins les meilleures attractions, et ça sera peut-être la meilleure économie. Parce que moi, par exemple, je galère encore un petit peu à. T'as très envie d'ouvrir directement plein de trucs de burger et tu te rends compte que si tu le mets au mauvais endroit, tu vas juste avoir quelqu'un qui va tirer la gueule et tu vas devoir licencier à un moment ou qui va se barrer de même. Là, c'était pour montrer, en fait, c'est un mec sur YouTube qui fait du tuning de décorum, mais extrêmement précis. Genre, il va utiliser des objets qui devraient être sortis du sol pour faire des textures au sol, des textures futuristes avec des bouts de tubes, etc. Enfin, le mec va hyper loin. Mais globalement, voilà, c'est un jeu, donc il faut le savoir, c'est un jeu qui a une boucle de gameplay, le gameplay traditionnel, assez courte. C'est construire, construire, décorer, améliorer, agrandir ton parc, etc. Débloquer un nouveau manège, l'intégrer à ton parc, revoir la topographie. Finalement, c'est une boucle assez courte. T'as pas 36 000 trucs à gérer. La couche de gestion, elle est honnête, mais elle est pas fantastique. Il lui manque, par exemple, un truc qui fait partie de tous les city builders, c'est la possibilité de regarder ton parc et d'avoir directement des calques colorés pour savoir ce qui vend, ce qui vend pas. C'est le cas pour les roller coasters, c'est pas le cas pour la gestion. J'espère qu'ils le feront un jour. Mais au-delà de ça, c'est le truc le plus détaillé que j'ai vu. C'est le bac à sable le plus efficace que j'ai vu. C'est le City Skylines du constructeur de parc d'attractions. Quoi. Donc on vous kiffe, ouais. C'est vraiment pour les gens qui aiment ça, pour les gens qui attendaient ça, il n'y a aucune question à se poser par rapport à un jeu comme Roller Coaster Tycoon World, qui se prend une pétée monumentale de ce que j'avais lancé déjà il y a quelques mois. Après, il reste encore Parkitect, pour les gens qui étaient vraiment nostalgiques du 1 et du 2, de Roller Coaster Tycoon 1 et 2, qui est vraiment un truc old school, même dans le graphisme. Mais si tu veux pouvoir créer un truc qui soit crédible, si tu veux te lancer dedans, et total, c'est ce truc là et puis en plus c'est un jeu qui est coloré, bon enfant, bourré de bonnes vibrations, et qui est même quand les gens, il y a une explosion, ils se prennent un train à dérailler, ils se le prennent sur la gueule, ils se relèvent, genre « Ah, c'était trop rigolo !» C'était déjà Frontier qui avait fait Zoo Tycoon, qui avait au lancement de la Xbox One. Non, ils avaient fait le terrible Scream Ride. Oui. Oui, c'était, c'est sorti de Scream Ride qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire Planet Coaster. Voilà. Mon préol, deuxième essai, et plus aussi que le premier. Merci Gotos pour cette présentation qui fait envie. On fait une petite pause avec le tour des manettes, on fait un jingle et on se retrouve juste après.
On attaque ce tournoi manette avec Boulapoir. À quoi tu as joué cette semaine, Boulap? Alors, cette semaine, ça va plutôt être aujourd'hui, parce que j'ai commencé... à quoi tu as joué il y a deux minutes? Il fallait trouver un jeu pour le tournoi manette. Je joue à Seithian, qui est un jeu très minimaliste. Ce n'est pas par les mêmes mecs qui ont fait TIS 100 et tout ça. C'est fait par Duang Games, qui est... j'ai pas trouvé trop d'informations sur le studio. Et en fait, c'est un jeu de communication, ou du moins de déchiffration d'un langage extraterrestre. En fait, quand tu commences le jeu, tu as cet écran avec tous les symboles et un carnet dans lequel sont indiquées t'as les indications du mec en fait que tu incarnes, ou de la nana, je sais pas, c'est pas précisé, et il te donne juste des indications pour dire deux trois mots de base, genre qui es-tu, après tu déduis ce que veut dire les autres, et après tu déduis, mais en fait il y a pas de tout est raconté dans le calepin, c'est-à-dire à chaque fois que tu fais une découverte il y a des pages qui s'ajoutent avec des annotations, il te file quelques indications au début sur les premières pages pour t'expliquer la grammaire en fait, comment ça va fonctionner, et voilà, là tu vois, tu as les petites annotations, et c'est non seulement il invente un langage, mais en plus il invente la structure grammaticale qui va derrière. Il y a vraiment une grammaire derrière. Alors je suis pas allé au bout parce que j'ai pas eu l'occasion d'avancer suffisamment dans le jeu, mais c'est super intéressant en fait dans la façon que ça a de raconter. Moi je m'attendais vraiment à ce que comme tu... de la concentration quoi, ça faut pas mal de concentration, même si le jeu te t'aide beaucoup en fait avec le calepin. Après il y a beaucoup d'allers-retours à faire pour quand tu veux sortir un peu des sentiers battus pour la discussion, parce que tu discutes en fait avec l'ordinateur d'une civilisation disparue, et tu dois savoir, c'est un peu comme tu vois, c'est comme si tu jouais à Event Zero mais dans une langue que tu ne connais pas. D'accord. Et du coup alors l'IA est beaucoup moins développée, tout est scripté et c'est prévu de cette façon là et tu dois découvrir en fait comment cette civilisation a disparu. Donc c'est disponible sur Steam et Itch.io, ça vaut 5 balles c'est sorti il y a pas très très longtemps, je crois début novembre. Au film avec Jessica Chastain là, qui va sortir. The Arrival. Premier Contact. C'est pas Jessica. Oui, c'est The Arrival. Ouais. The Arrival, c'est avec Jessica Chastain, je crois. Bon, ben nouveau l'a perdu. Voilà. Je joue à Soul. Elle traduit. Non, elle traduit les trucs des aliens. Enfin, elle doit apprendre. Ok, donc voilà. Ok, bon, merci Boulapoir pour cette découverte. Donc ça s'appelle Seithian et c'est disponible sur PC, Steam, Itch.io. C'est Windows, Mac. Windows, Mac. Steam et Itch.io. C'est noté. Gotos, à quoi t'as joué ces 20 dernières minutes? C'est 20 dernières minutes. Alors moi, non, j'ai triché en allant plus loin. J'ai triché en allant il y a une semaine et demie, quand j'ai joué à un petit jeu, je suis allé jouer à un petit jeu indé à Montreuil qui s'appelle Steep. Ah oui, c'est vrai. Steep développé par Ubisoft Annecy, leur road à la montagne et aux Alpes, donc qui est un open world multijoueur. Si vous avez oublié, c'était le jeu de clôture de conférence de l'E3 2016 de la conférence Ubisoft. Voilà, exactement. Donc qui s'est présenté à nous dans une présentation de 3 heures. Et puis ensuite, pour les joueurs qui ont pu s'inscrire à la bêta fermée, et donc on a pu découvrir 5 des 7 massifs qui seront disponibles dans le jeu. Donc pour rappel, hein, open world, multijoueur, tu descends une piste, tu te téléportes en haut, tu repars ailleurs, tu groupes avec des potes si tu veux. Le jeu affiche automatiquement les riders qui sont le plus proche de toi de manière assez seamless, dans un truc qui est un peu dans la manière dont ils ont envisagé leur jeu en ligne jusqu'ici. Et c'est un petit peu le cul entre deux chaises de ce que j'ai pu en voir. Il faut savoir que le jeu sort dans 20 jours. Et de ce que j'ai pu en voir, c'est d'un côté beaucoup beaucoup de challenges. On a vu de la wingsuit, mais tu as également du ski, du snowboard et du parapente. Déjà le parapente, il faut un petit peu le sortir de l'équation, parce que c'est surtout un truc qui t'aide pour l'exploration, parce que ça te permet de reprendre de l'altitude plus ou moins n'importe où. Mais que sinon les défis en parapente ne sont pas non plus extrêmement jouissifs. Le reste, ça va être beaucoup de scores, beaucoup d'interfaces, de trucs qui vont apparaître devant la tronche, etc. Et une boucle de gameplay extrêmement ubiesque. Donc Ride gagne le meilleur score, débloque des costumes, des nouveaux gants Salomon, un casque avec une tête de chevreuil dessus, des trucs comme ça, des trucs rigolos. Il y a des trucs rigolos à faire, mais surtout en fait ça c'est pas hyper raccord avec l'esprit que tu sens chez Ubisoft Annecy, qui est plus un truc où tu sens que c'était un objet d'évasion. Pour lequel ils ont utilisé d'autres trucs. Ils ont ce qu'ils appellent les mountain stories, qui sont des trucs qui te permettent de découvrir la montagne un peu de manière plus zen. Ça, c'est des moments qui fonctionnent très bien, qui montrent vraiment tout l'amour du studio pour le sujet.
Malheureusement, effectivement, c'est aussi un jeu. J'ai peur qu'il soit trop jeu, en fait. J'ai peur qu'il soit trop jeu. C'est bien le problème. Et sachant qu'à côté de ça, il n'a pas vraiment des sensations de trop jeu. C'est pas un jeu avec des sensations de vitesse extrêmement prononcées. Ce que tu écrivais, c'est qu'il a pas l'air si indulgent non plus avec le joueur qui fait n'importe quoi. Ça reste comme un jeu qui demande un minimum d'attention. Moi, je trouve leur système de tricks, en fait, leur système de figures en ski et en snow, je le trouve assez mal pensé, avec des timings assez fumeux. Tu sais pas trop si le jeu est intransigeant ou s'il est flottant. Il t'arrive, voilà, tu vois, là, ça c'est une de mes captures, ça. Et là, j'ai recommencé direct parce que clairement, je voulais rentrer une rotation. Mais elle rentrait pas. Et en fait, il y a un timing, il y a un truc. En fait, il faut sauter, attendre une demi-seconde, puis bouger le stick. D'accord. Mais si t'attends pas la demi-seconde, il rentre pas à la rotation, il reste planté, il flotte tout droit. Et donc voilà, en fait, il y a des trucs comme ça qui sont. Il y a une dead zone dans la saisie du mouvement qui est un peu compliquée. La récupération aussi, elle se fait de manière automatique par le jeu. C'est quand tu lâches le trick qui va lui essayer de récupérer ton orientation par rapport à la piste. Donc le système lui aussi a des ratés, ce qui fait que je suis allé sur un halfpipe, j'ai fait c'est pas possible. Hors de question que je fasse du halfpipe dans ce jeu, ce ne sera jamais drôle. Ouais. Donc il y a ça, et puis il y a le fait que parfois ça manque un peu de sensation. Sur un truc comme la wingsuit, qui est donc cette combinaison d'écureuils volants, tu te retrouves quand même avec un truc qui tient plus de pilot wings que des X-Games. T'as vraiment l'impression que tu fais au bas, et de temps en temps une petite esquive pour pas te cracher. Et tu as vraiment des sensations que quand tu vas voler à ça des cailloux. Là c'est rigolo, parce qu'en plus quand tu t'exploses, ça fait des bruits d'eau craquée, le mec réapparaît en haut disant putain ça faisait longtemps que je m'étais pas boité comme ça. Ouais, donc, j'ai découvert du coup que chez les riders on disait boité. Boité, voilà. D'accord. Voilà, donc c'est tombé. J'ai rajouté ça à mon champ lexical. Tu pourras faire le mec cool dans 2 mois. Mais du coup voilà, je trouve, je suis un peu inquiet. Petite inquiétude aussi sur le potentiel long terme du jeu. Sur le potentiel long terme, parce que voilà, au bout de 3 heures de jeu, j'avais l'impression quand même d'avoir vu le gros de ce qu'il y avait à voir dans le jeu, ce qui est oh là, voilà, ce qui n'est donc c'est de la capture sur un boîtier donc c'est sur PS4 ça, mais le jeu tourne, contrairement à les dernières fois où on a pu le voir, le jeu tourne et il déconne pas du tout. Alors il y a eu du downgrade, ils ont dû retaper pas mal de trucs, il y a un clipping qui est réglé de manière un peu honteuse par-ci par-là, mais le jeu tourne comme une petite horloge et ça fait plaisir. Mais il sort dans 20 jours et j'ai peur qu'il parte à l'abattoir. Voilà. Ok, bon, écoute, on verra bien. Ça fera un petit coup sur le moral de nos amis d'Annecy qu'on embrasse, évidemment. Accueillez-nous toujours avec vos raclettes lorsqu'on passera chez vous. Voilà, c'est direct. Une boîte matinale. Mais bon, on verra bien comment ça se passe lors de la sortie. 20 jours, c'est long, hein, parce que ça fait aussi 20 nuits. Hein, donc, y a quand même... Oui, c'est FF15. On en fait, ouais. Pensez à FF15. Voilà, écoutez Gotose, pensez à FF15 et tout se passera bien. Merci Gotose. Pouillou, à quoi t'as joué cette semaine? Je crois que c'est un jeu. Que je vais te laisser prononcer. Alors, ça s'appelle Gnocchi Gnocchi. Ah, bah ça va. Ouais, bah ça va. Non, il y a un full nom. Il y a un full nom. C'est quoi, full nom. Le full Tamidachi Ren. Tamidachi Ren. Le chapitre du voyage. Ouais. Et en fait, c'est l'héritier spirituel de Puyo Puyo, puisque c'est... Donc Puyo Puyo, grand jeu s'il en est. Mm-hmm. Puisque c'est son créateur, Masamitsu Niitani, attention. D'accord, hein, ok, oui. Qui est derrière, en fait. À l'époque, en fait, ce créateur a été très célèbre pour être passé du succès, de la gloire et de l'argent facile à la ruine la plus complète. Il a eu droit à des reality shows sur son... Sur sa... comment dire, son rise and fall, et du coup, eh bien, il revient c'est avec un nouveau puzzle game. C'est un peu le taf de la... ouais, du développement japonais. Voilà, quoi. C'est un peu ça. Mais tu connais tes références. Et du coup, évidemment. Du coup, il revient effectivement avec un puzzle game en duel, à la d'accord. manière de Puyo Puyo, donc avec des... Des zizi, on peut le dire, voilà. Ouais, des zizi et du caca qui tombent sur la tête quand tu... Alors, j'ai pas vu le zizi, moi, je suis désolé. Bah, c'est les petites couleurs, tu vois, les ouais. petites couleurs quand tu les associes. Bah, ils se tiennent la main. D'accord. Et en fait, le concept est un petit peu différent de Puyo Puyo, même si ça a l'air très similaire, dans la mesure où les associations se font un petit peu différemment. Mm-hmm. C'est-à-dire que plus ils se tiennent la main, donc ouais. c'est des associations peut-être un peu plus latérales mm-hmm. que par le passé. Et donc il faut les placer. Il faut faire en sorte que tu aies un espace où ils se touchent, ouais. Plus large que penser carrément des enchaînements comme dans Puyo Puyo de manière classique, okay. des enchaînements de chutes de couleurs. Et ensuite, la différence, c'est que tu vas pouvoir transformer les gemmes de couleurs pour en faire des gemmes actives, et c'est au moment où de la collision qu'elles vont exploser. D'accord. C'est-à-dire que là, c'est toi qui vas vraiment décider à quel moment le combo va s'enclencher. D'accord. Et de la même manière, c'est toi qui vas décider à quel moment tu vas parasiter la cuve adverse, puisque c'est toi qui vas gérer, en appuyant sur le bouton R, l'apparition des parasites. C'est-à-dire que tu vas pouvoir essayer de gérer le moment où tu vas essayer d'emmerder le plus possible ton adversaire. D'accord. Contrairement à Puyo Puyo. Stocker et envoyer tout d'un seul coup. Contrairement à Puyo Puyo, où malgré certaines règles, tu étais quand même toujours dépendant de la manière dont la cuve adverse allait se remplir.
Kiffes-tu? Ouais, c'est assez, c'est assez bizarre pour l'instant. J'ai pas encore très bien saisi le concept et surtout la manière dont il faut optimiser ces enchaînements, parce que en gros, tu vas pouvoir quand même penser à des combos en activant des pièces, mais en faisant en sorte qu'elles ne s'activent pas tout de suite. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que tu vas les poser de telle sorte que les ensuite, pour faire les faire détonner ensuite. Voilà, tu vas penser des blasts. Voilà, une profondeur stratégique qui reste encore à découvrir, parce que là, pour l'instant, je me fais dégommer pourrir dès que je passe en mode normal. Le jeu fonctionne bien. Il a déjà une petite communauté. Non, non, il vient juste de sortir au Japon. Je m'inquiète du coup pour mon ami Rise and Fall. Là, est-ce que du coup, ça va mieux financièrement? On n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas, voilà, il pense développer le concept après sur smartphone, puisque pour l'instant il n'est sorti que sur 3DS eShop au Japon aujourd'hui pour 800 yens, donc ça fait à peu près 8 euros. Et à voir sur la longueur. Là pour l'instant je suis pas hyper convaincu par le concept, mais j'aime bien l'idée d'être libre, en tout cas dans la manière dont tu gères tes enchaînements et la manière dont tu pourrais C'est qu'il faut attendre d'ici 2-3 semaines sur YouTube quand tu verras des furieux qui justement prévoient leur activation de gemmes ou ce genre de choses. Tu auras peut-être la profondeur effectivement du gameplay quand certains qu'elles me regardent. J'ai vu jouer à Puyo Puyo, j'ai compris qu'on jouait pas vraiment au même jeu en fait. Pareil, je suis pas digne de ce pseudo d'ailleurs quand j'ai vu jouer à Puyo Puyo. Quand il l'avait présenté au Beat Summit cet été, du coup c'est là où il l'avait annoncé. Je l'avais vu le gars, j'avais fait une petite interview avec lui que j'ai toujours pas dérushé d'ailleurs. Et il se trouve que en fait, t'avais déjà des maboules qui étaient venues parce qu'ils avaient entendu parler du fait qu'il présentait son nouveau jeu, et même lui à côté, il disait bon bah voilà, c'est ils ont déjà cassé tout mon jeu, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai créé. Mais bon, c'était rigolo à voir en tout cas. Donc Puyo, tu nous représentes peut-être le jeu pour ceux qui veulent se risquer à le télécharger et essayer de le comprendre. Alors Gnocchi Gnocchi, mais c'est uniquement sur eShop japonais. eShop japonais depuis le 14 novembre. Donc. Ouais. C'est noté, donc pour un peu moins de 8 euros. Pas se créer de compte japonais sur la 3DS. Oui, voilà. Oui, la 3DS est zonée, donc même si vous avez une 3DS française, c'est raté. Ouais, donc bon. Voilà, donc c'est a priori un marché pas très très, très large pour nous autres Français. Et pour terminer, Stoon, à quoi t'as joué? Alors déjà, je vais rectifier, puisque ce n'est pas Jessica Chastain, mais Amy Adams. Voilà. L'autre, il avait raison. Voilà. Entre mes parties, enfin mon 47e run de Dishonored en stealth, les parties de BF1 et Killing Floor 2 qui vient d'arriver, j'ai quand même trouvé le temps de relancer Crysis, premier du nom, qui fête ses 9 ans. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, le jour où on enregistre. Et quand tu regardes les graphismes, t'as pas sur ça devant. J'ai juste téléchargé un pack de textures qui pesait 2 gigas et qui remplace pas en fait toutes les textures du jeu, il remplace juste le bump mapping et un autre qui permet d'avoir de l'occlusion mapping sur les textures. Et donc j'ai relancé et c'est de toute beauté. Non, c'est assez. Après ça reste Crysis. Hein, je connaissais pas Amy Adams en fait. Mais je suis un crevé. Hein, c'est le jeu qui est juste beau et pour tester les cartes graphiques. Hein, voilà. Mais. Il est bien, quand même, non? À l'époque. Oui, jusqu'au moment où tu croises les aliens, donc pendant 2 heures de jeu. Ça permet de recroiser des features qui existaient il y a 9 ans et qui n'existent plus aujourd'hui. Comme le fait de pouvoir découper des arbres avec les armes. Le fait d'avoir des effets qui sont pas surgourmands en post-process aussi. Ça manque aussi actuellement. Ça permet de se replonger un petit peu dans le truc. Vu que le jeu vaut plus grand-chose, tu conseilles qu'on se reprenne pour les joueurs de 2016 qui passent un petit moment dessus, ou c'est quand même vraiment plus pour l'anniversaire? Franchement, le gameplay il pue la merde, quoi, faut le dire. La fin du jeu, elle a crevé. À part le plaisir peut-être de l'extension relancer était maintenant. L'extension était pas dégueu, toute la phase dans les trucs de Glass. Tu préfères Crysis 2? Non, l'extension du 1. Crysis 2, tu préfères Crysis 2? Non, le 2, il... Oh. Le 2, en gros, le 2, c'est le moment où ils ont sorti le développement des jeux sur console aussi. Ouais. Et ils ont viré en fait toutes les features. Ils ont fait un peu trop gourmand. Ils ont mis les murs aussi. Donc c'est le moment où ils ont dit, tous les trucs qui sont pétables, maintenant ils n'existent plus. Ouais. Tout ce genre de trucs-là, puis même c'était enfermé dans la ville, c'était... En fait, t'as une manière assez particulière de revisiter tes classiques. C'est pour expliciter un petit peu les possibilités du moteur pour les gens qui ne connaîtraient pas le jeu. Non, mais voilà, enfin, tu vois, c'est pour montrer que. Regardez Stoon parce que conditionnaire. Graphiquement, ils s'en sortent toujours très très bien. À la plage. Non. Il est en train d'abattre une maison en mettant des beignes dans les. C'est des patates de foin. Voilà. La vérité. Vas-y, abat des arbres. Cogne des arbres aussi. T'es un malade.
Attends, t'as pas vu, parce qu'après, il y a 2 minutes de découpage d'arbres millimétré. Pour montrer exactement. Il a dessiné ta tête dans un arbre. J'ai taillé. Bref, au 7,62, j'ai taillé. J'espère que tu te sentais bien après. Voilà, Hubert qui me met le bon passage. Voilà. Je peux découper, tu vois, bout par bout. T'es vraiment un psychopathe. Est-ce que vous avez ça sur votre PS4 Pro? CQFD. Est-ce que tu peux faire du feu avec les rondins après? C'est la démonstration la plus conne que j'ai jamais vue. Ouais. on dirait vraiment les présentations de l'époque où tout était destructible. Ouais, tout le truc, ça, en fait, l'idée, c'était de montrer cette connerie-là, ça a 9 ans, tu vois. Aujourd'hui, t'as plus ça dans les trucs. Enfin, tu vois, même les GTA sont encore vachement statiques. Mais je t'imagine te lever un matin et dire, tiens, j'ai mon tournée manette qui arrive. Non, justement, chercher un truc et je tombe dans Crazy. Tu fais, putain, c'est les 9 ans de Crazy, je suis allé. La facilité, installer un pack de textures, faire des captures, etc. Il y a des fuites. Voilà. Alors à noter que le niveau de l'huile était géré dans les fuites. C'est vrai, voilà. Ça baissait dans le tonneau. Eh oui. Oh, ce qui ne servait absolument à rien dans le gameplay, puisqu'il était à chier. Voilà. Voilà. Mais heureusement que toutes ces connaissances ont été déversées dans Robinson, The Journey VR. Dans Crysis 3. Ouais. Il n'y aura jamais Crysis 4 d'ailleurs. Dans Rise of Rome. Mais ils font quoi à Crysis aujourd'hui? Ils essayent de retrouver des gens et ils attendent que Star Citizen sorte pour faire max de blé sur les royalties de l'Angleterre. Ah oui. Voilà, ok, c'est une note. Merci messieurs pour ce tournée manette. On va faire la petite pause musicale avant d'attaquer Watch Dogs 2 en duplex depuis Albi. Et oui, on le répète, car on est très excités par cette grande première technologique. Donc avant ça, l'entraque musicale. Et avant l'entraque musicale, le jingle musical. Aussi. Alors pendant que tout le monde se prépare du côté d'Albi pour recevoir la connexion satellite de Paris, petit. En train de courir dans le jardin avec une avec une antenne, une antenne râteau. Pour essayer de capter le signal venu du ciel. Parlons un petit peu de musique. Enfin, écoutons la musique plutôt. Écoutons la musique. Devinons de la musique. Enfin, devinez du coup de la musique avec trois. C'est donc le principe d'un blind test. Oui. Et donc voici le premier morceau. Pas mal. Est-ce que c'est récent? Oui, plutôt. Non. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh là. Animal Crossing? On dirait la musique, mais genre du Wii Shop. J'étais pas loin. Tomo. On sent cette vidéo qui n'a pas été piquée du tout à Polygon, parce que Crescente... Non. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Mitomo, donc c'était le main theme, et le main theme de jour, car il y a un autre main theme de nuit, car on sait rien de mieux que de jouer à Mitomo la nuit, de s'envoyer des petites questions un peu indiscrètes entre Camus et Pouillot. Est-ce que tu trouves cette musique bien, ou c'est juste pour dire oh, Mitomo existe? Oh, non, c'était pour dire Mitomo existe. C'est une vidéo fake, puisqu'il est à 100% de batterie. Et Mitomo, déjà, tu l'allumes et il te met ton voilà. Il y a clairement un calque photo par-dessus. Mais voilà, c'était pour voir si Pouillot, de sa longue relation avec Mitomo, avait gardé quelque chose. Ah, c'est une longue relation de 2 jours. Hein, ça... non, une longue relation sans le son, parce que voilà, Pouillot... Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour, mais j'ai même pas suivi ce qu'il y avait dedans. Je voyais vraiment. Il a changé l'icône. Oui, l'icône a changé, il y a plein de notifications qui t'obligent à aller voir ce qui se passe. Maintenant, tu peux envoyer des messages entre utilisateurs. Ah oui, genre, c'est sans forcément connaître, voilà. Sans forcément être ouais, ami avec téléphone, un inconnu. Tu pourrais lancer des messages. Tu fais qu'on serait tous un petit compte Mitomo à la fin de la semaine, ouais. On se fait une petite partie là. Alors, ça serait sympa. T'as un peu de retard quand même. Pourquoi? On aurait pu le faire quand c'est sorti. Ouais, mais là, non, ils ont mis à jour peut-être. Enfin, on refait le patch. On refait le patch Mitomo. En plus, je te rappelle que le jeu de base pesait 800 MO déjà. Alors, avec le patch. 800 MO pour ça? Non, mais c'est. Au début, ouais. Bah, c'est donc la boucle musicale, ils n'ont pas. C'est pas une boucle en fait. C'est du rond. Bref, donc c'était Mitomo, voilà. Un jeu rétro qui est donc la première tentative de Nintendo dans le monde mobile. Puis après, ils ont vu le phénomène Pokémon Go, ils ont dit ah là, c'est bien. Et puis du coup, ils ont fait Mitopia. Ils ont annoncé Mitopia. C'est sur 3DS. Sur 3DS. Ah, sur 3DS, mais c'est ouais. 3DS, c'est un vrai jeu 3DS. C'est moche comme un cul. C'est comme un jeu Street Pass, mais. On s'en bat les couilles. Et Super Mario Run, surtout, qui sortira donc. Bien sûr, le 15 décembre. Le 15 décembre. Deuxième morceau, mon cher Gotos. Bon, facile. Tout d'un. Montez un peu le volume. Là, on entend pas grand-chose sur le plateau. Récent? Assez.
on se croit aux grosses têtes. Mort. Sacha Guitry. Bonne réponse de l'amiral. C'est un Souls. Demon Souls. Je vais faire un peu puriste. Non, il n'y a pas de... C'est Bloodborne. Oh, mais tu crois, moi, je suis j'aime pas attendre ce boss. Il y avait l'air d'avoir un gros dong qui se. Mais t'as vu, c'est un truc qui se baladait, on savait pas trop que c'était un casse-brique ou un jeu actuel. Ah, c'est en train de me spoiler un boss que j'ai pas vu. J'aurais. C'est Ludwig the Holy Blade sur la, la BO donc, de Bloodborne qui, contrairement à la manière dont elle sonne, a été composée par Motoi Sakuraba. Enfin, ce morceau en l'occurrence a été composé par Motoi Sakuraba. Sinon, ils sont 4 ou 5, il me semble, sur le jeu. Et donc pour rappel, Motoi Sakuraba, on le connaît principalement pour les Valkyrie Profile, pour Golden Sun, pour Dark Souls aussi, et comme le dira toujours Puyo, pour Mario Tennis. Yes. Voilà, parce qu'il a réussi à et donner. Button Kaitos, mais ça ne vaut oui, pas son Button Kaitos aussi, mais alors donc, avec son style imitable de l'orgue toujours ouais. En doublette derrière les guitares, qu'il a dû ranger pour Bloodborne parce que ça faisait pas trop trop l'ambiance. Ah oui, ça, effectivement, ouais. Donc voilà. Ok, donc voilà, on se met dans l'ambiance. Mais c'est normal que tu l'aies pas vu parce que je crois que c'est un boss du DLC. Ah, bah c'est pour ça. Ouais. Ah, voilà, exactement, c'est pour ça. Ouais. Non, en fait, j'ai fait 3 boss, je crois. Moi, je vous dis ça, je fais des blind tests à partir de YouTube, hein, j'ai pas joué au jeu. Hein. Techniquement, t'as vu le personnage si t'as battu 3 boss. Ah, peut-être, ou tout de suite. Mais il était mort, déjà. Ah, ok, bon. Ah, pas de spoiler. Spoiler. Je crois qu'il reste un dernier morceau. Oui, oui, un peu plus rétro celui-ci. Un peu plus rétro. Oui, oui, ouais, oui. Bip, bip. Ah, bah oui, ça se connaît, parfait. C'est donc Quackshot. Non. Castle of Illusion, le monde des jouets. Exactement. Sur Mega Drive. Je te dis DuckTales, oui. Qu'on veut jouer un cube blanc qui se baladait. Oui, Castle of Illusion. C'est vraiment la sonorité des jeux. Ouais, ouais. Bah, c'est le, en fait, c'est, ça, ça sonne également comme Quackshot parce que c'est le même compositeur. Shigenoki Kamiya, donc qui avait bossé sur Quackshot également et sur Legend of Illusion, donc la version game, enfin le jeu Game Gear et Master System, qui est sorti en 94. Celui-ci est sorti en 90 sur Mega Drive, toute région confondue, et l'année suivante sur Game Gear et avec World of Illusion, ce sont quand même deux jeux qui ont marqué autant par leur sonorité que par leur flottement. Je l'ai fini le jour même, à 399 francs à l'époque, j'avais 10 balles de d'argent de poche hebdomadaire, je peux te dire que ça faisait mal, surtout que j'hésitais avec Phantasy Star 3. Mais j'en garde quand même un excellent souvenir. Enfin, c'est quand même mieux que Phantasy Star 3. Quand t'as qu'un jeu pendant 3 mois, c'est bien. Laisse ranger les couteaux. Les attaques sont dures. Un mauvais jeu pendant 3 mois ou un bon jeu non, pendant 10 heures. Non, Phantasy Star 3 à l'époque. Toujours remettre dans le contexte de l'époque. Ah, même dans le contexte de l'époque. Même quand on parle de Crysis. Non, c'est un jeu. C'est marrant parce que souvent, en fait, les gens ne reconnaissent que le thème du premier monde, comme souvent dans les jeux plateformes, pour les jeux de plateforme d'époque. C'est encore plus vrai pour les jeux infogrammes, normalement, parce que généralement, tu vas jamais jusqu'au deuxième monde. Mais Puyo, l'ayant séché la nuit même, a tout internalisé ce jeu. Mais la version Master System est nettement meilleure. Et c'est assez rare pour être signalé, j'imagine. Ouais, là je trouve qu'il y a vraiment une vraie différence entre les deux. Celui-là il est nettement plus beau, mais tu l'as refait ou c'est rond de mémoire que tu dis ça Hein? Tu l'as refait en photo ou c'est juste Faut que je l'ai refait plusieurs fois, mais la version Master System, tu peux saisir des objets. Ouais, tu peux poser. Rien que pour ça, ça change tout. T'avais la même chose dans tous les jeux Sega Game Gear, tu pouvais choper des objets dedans. Alors que dans la version Mega Drive, je sais pas pourquoi ils avaient tout viré d'ailleurs. Parce que c'est vraiment pas le même jeu, mais. Ce monde des jouets me donne envie de rejouer au monde des jouets de Batman, la série animée sur Super NES. C'était un super niveau d'ailleurs. Moi je préférais le monde des gâteaux avec les flancs transparents. Ah oui! T'enfonçais et tout. Voilà. En tout cas, on a eu la soluce. Merci Hubert pour ce niveau des jouets. On saura désormais comment le terminer. Exactement. Maintenant, il faut qu'on branche les câbles. Et maintenant qu'on passe à Watch Dogs 2, alors ce qu'on va faire, vu que c'est une installation technique extrêmement complexe et expérimentale, puisqu'Albi c'est pas la porte à côté, on va faire une petite pause, un petit trailer, quelques secondes, et puis on se retrouve avec Crevette en direct et on parlera donc de ce Watch Dogs 2, disponible cette semaine sur à peu près toutes les plateformes. C'est parti pour le trailer. J'ai quelques amis qui rêveraient de vous envoyer en prison. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Oh, et... Il y a aussi un mandat sur ta gueule. Ensemble, on peut changer ce système. Mettre fin aux mensonges. Mettre fin à la peur.
on va reprendre le contrôle. Ça donne quoi, les followers? Ça a pas arrêté de monter. Et qu'est-ce qu'on fait, maintenant? On vise plus gros. De retour donc sur le plateau après ce trailer de Watch Dogs pour donc présenter cette suite à l'épisode qui était évidemment très très attendu avant même que les consoles Next Gen ne soient annoncées, qui est disponible cette semaine sur console et PC. Et pour en parler, nous avons donc mis les grands moyens. On a pointé les satellites vers Albi pour avoir Crevette en ligne. Bonjour Crevette. Bonjour tout le monde. Alors, donc tu es l'heureux possesseur d'une connexion internet dans une région qui ne connaît pas encore vraiment cette technologie. Bon, je vais me faire insulter par nos lecteurs qui sont là-bas. Il y a la fibre à Albi, alors mollo. Hein. Ouais, c'est vrai que moi j'ai une meilleure connexion que toi, Herblay. Alors. Ah oui, je te confirme qu'à priori on a une meilleure connexion que chez moi. Ouais. D'ailleurs, même l'image le prouve. Donc voilà, on va te parler évidemment de cette suite à Watch Dogs, donc qui est dispo. Donc toi, tu es chez toi, ça fait quelques jours que tu joues. Je pense que lorsque l'émission sera en ligne, tu auras publié ton test. Alors évidemment, le premier était très attendu et a déçu quand même pas mal de monde, c'est le mot qu'on puisse dire. Celui-ci est moins attendu, est-ce que du coup il peut surprendre, mais dans l'autre sens? Je crois bien. En tout cas, il m'a surpris. Moi, j'avais bien aimé le premier, j'étais un des seuls à le défendre. C'est pas faux. Mais j'avais bien aimé le premier malgré ses défauts. Il posait d'excellentes bases et en gros cette suite garde un petit peu les bases qu'il fallait garder et reconstruit un peu tout ce qui n'allait pas autour, quoi. C'est-à-dire que notamment un des principaux problèmes, c'était le héros du premier Watch Dogs qui était un peu pété, qui s'en est pris plein la gueule d'ailleurs, mais c'était pas volé. En fait, les mecs d'Ubisoft ont fait quasiment un reboot. Quand tu découvres Watch Dogs 2, t'as vraiment l'impression de découvrir un numéro 5 et un reboot complet, quoi. Parce qu'on change de tonalité, on change de ville, on change de héros, mais à la fois il y a quand même les bases d'une vraie suite, c'est-à-dire on améliore ce qui était efficace, quoi. Alors justement, Crevette, parlons un petit peu de San Francisco qu'on découvre dans cette ville. Qu'est-ce que ça change déjà finalement d'avoir complètement foutu en l'air le premier décor de Chicago? Ça change qu'on a une zone de jeu qui est quand même vachement cool à découvrir. Moi j'aimais bien Chicago, mais bon, c'est vrai que ça restait quand même une ville assez triste. C'est quand même pas la ville la plus gaie du monde, et là San Francisco c'est un peu tout l'inverse. La zone de jeu est d'ailleurs beaucoup plus grande, puisqu'il y a également la Silicon Valley, tu vas jusqu'à Oakland et Marine au nord. Il y a au milieu la baie de San Francisco. Donc ça permet en fait d'avoir une zone de jeu qui est complètement autour de l'océan. Donc déjà tu as beaucoup plus l'occasion de prendre le bateau, des choses comme ça. Et puis on a San Francisco qui est quand même une ville qui est assez chouette, hyper colorée. C'est la Californie, quoi, c'est la fête, c'est la plage, les mouettes, les maillots de bain. C'est le Chinatown, le quartier gay, donc la Silicon Valley, et surtout ce qui est vraiment cool, on sent que les mecs, enfin pour le coup les mecs d'Ubisoft se sont bien éclatés à créer un vrai monde parallèle, c'est-à-dire que je parlais de la Silicon Valley par exemple, dans tout le jeu est articulé autour d'une sorte de monde parallèle avec un simili Google, un simili Facebook, un simili Uber, donc toutes ces grandes boîtes qu'on connaît aujourd'hui, qui ont toutes leur équivalent dans le jeu. Google devient Noodle, Facebook c'est Invite, et en fait il y a même l'Église de Scientology qui est également croqué dedans. On retrouve une tonalité qui ferait presque, je dis bien presque, attention ça reste du Ubisoft, qui ferait presque penser à du Rockstar. Le ton du jeu est vachement plus léger, les dialogues sont très bien écrits, franchement, il y a même des scènes qui sont vraiment... Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser, Crevette, c'est qu'en fait, lorsqu'on a vu la première fois Watch Dogs 2, on l'a vu assez tardivement, finalement, dans son cycle de communication, je crois que c'était un peu avant l'E3, dès le départ, ça nous a un peu sauté aux yeux à la rédac, ils cherchaient à imposer une nouvelle DA, une nouvelle atmosphère, un peu plus... hipster, évidemment, c'est le... On peut le dire, post-tectonique. Post-tectonique, dit Gotos. Oui. Certains ont dit hipster, eux, ils se réclamaient de l'activisme avec un H... donc voilà, espèce de culture un peu underground, rendre hommage à ces héros anonymes qui nous révèlent les mails d'Hillary Clinton. Enfin, finalement, est-ce que toi tu ressens ça dans le jeu? Est-ce que finalement c'est pas que du marketing? Non, car franchement, ils ont fait un habillage vraiment hyper réussi. En gros, comme je le comparais, je vais paraphraser Thomas Merer qui a dit, en gros, qui a comparé le premier Watch Dogs à Person of Interest. Et là, c'est Mister Robot qui a pris de l'ecstasy, quoi.
C'est vraiment, c'est d'accord. Exactement ça. C'est, t'avais un qui était assez sérieux et qui voulait dénoncer une sorte de truc genre Big Brother qui nous regarde et puis une sorte de héros vigilante qui vient au secours des innocents. Et là, on est plutôt dans le côté hacker qui veulent mettre à terre une grosse boîte qui, Bloom, qui développe le CityOS, le fameux logiciel omnipotent qui permet de diriger toute la ville. Et en fait, le but de DeadSec, dont fait partie le héros, c'est vraiment de mettre à terre cette boîte. Et ils ont vraiment fait tout un habillage, enfin même l'écran de loading, c'est un truc en DOS dégueulasse avec les vieilles dispos. Il y a des sprites de partout, il y a du street art dans tous les sens. Il y a vraiment une cohérence dans l'univers. C'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est vraiment une très très grande réussite. Hein. Il y a ce qu'on voit dans les trailers, qui pouvait faire un peu peur, trouve vraiment une cohérence énorme dans le jeu. Entre ce que je décrivais tout à l'heure avec ce truc de la Silicon Valley, de ces boîtes qui sont copiées-collées, qui sont réinterprétées, et de l'autre côté, tout l'aspect hacking et tout, les deux se regroupent, et franchement, on a au final une cohérence de l'univers qui est vraiment impressionnante. Quoi. Tu le trouves attachant, toi, le personnage principal de Marcus, qui est donc le nouveau héros? Je regrette qu'ils aient un peu, comme dans le premier Watch Dogs, ils ont un peu oublié son background, c'est-à-dire qu'on nous le balance un peu comme on nous balançait Aiden Pierce. On ne sait pas trop d'où il vient, ni pourquoi il agit comme ça. Il a pas mal de réparties, il est drôle dans les cutscenes, mais du coup, comme on ne sait pas d'où il vient, on ne comprend pas trop ses motivations et on ne comprend pas toujours pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Il reste quand même gentil. C'est surtout les personnages secondaires qui sont cool à découvrir. Notamment Wrench, celui qui a le masque un peu chelou, qui évidemment est super efficace. Et puis vraiment, il y a un ping-pong, il y a des dialogues qui sont très 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 bien écrits. Pour un jeu Ubisoft, j'étais vraiment impressionné, quoi. Et au niveau des mécaniques de gameplay, j'ai vu qu'ils avaient, ils m'avaient montré à l'E3, je crois, donc toutes les mécaniques de hacking sur... Bon, il y avait les caméras, il y avait donc les petits drones qu'on pouvait contrôler au sol ou en l'air. Ça sert vraiment, ça? Ça sert carrément. Le jeu, donc on reste comme sur le premier Watch Dogs. On est sur un GTA-like, avec des missions principales qui vont être quand même très basées sur l'infiltration. Et le jeu est vraiment assez costaud de ce côté-là, assez dur. Marcus, donc le héros, est plutôt fragile, de bastos et on n'en parle plus. Donc il faut vraiment être très discret et du coup le hacking prend tout son sens. Évidemment, comme c'est une suite, tout a été enrichi, on a plus d'options. Avant, tu avais juste un bouton pour enclencher un interrupteur qui faisait exploser un truc. Là maintenant, tu peux décider par exemple de pirater un disjoncteur pour qu'il n'explose que lorsqu'un garde s'approche de lui. Tu peux créer des diversions, tu peux commander les véhicules également. Tu peux pirater une voiture garée dans la rue et la faire se foncer soit pour créer une diversion, soit pour carrément écraser un garde. Les deux drones, donc à roulette et aérien, sont hyper importants, notamment le jumper, donc celui qui roule, qui peut aller dans les conduits d'aération, du coup accéder à des pièces qui seraient fermées et qui peut lui-même pirater certains éléments pour te débloquer des portes, etc. Donc le level design est vraiment très bien fichu. Donc c'est hyper important de prendre son temps, de bien regarder, et tu peux vraiment aborder les missions de plein de manières différentes. Tu peux essayer d'y aller un peu comme un taré, ou au contraire vraiment prendre ton temps, utiliser tous les éléments de hacking que t'as à ta portée, et de ce point de vue-là, c'est vraiment bien fichu, quoi. Alors je vais laisser peut-être la parole à mes collègues autour de moi qui ont peut-être joué à Watch Dogs 1, je sais pas si c'est le cas, je sais que Stoon... J'ai fini, moi. Stoon qui depuis 3 ans fait le cosplay du héros du premier épisode. Pour pas un rond en plus. Pour pas un rond. C'est une belle OPSP, tu vois. Stoon, toi, je pense que de mémoire, t'avais pas forcément été méga fan de Watch Dogs 1. Qu'est-ce qui t'avait déplu dans le premier épisode? Moi, donc, ouais, contrairement à Crevette, j'avais pas accroché sur la conduite, qui était très basée, très typée arcade, en fait, vieille école GTA, école un peu Saints Row. Alors que moi, j'accroche plus à l'école nouvelle, ce que GTA 4 avait essayé de mettre avec du transfert de masse sur les véhicules et tout. Donc là, je voudrais savoir justement, déjà, qu'est-ce qu'il en est de la conduite? Est-ce qu'ils ont poussé le truc un peu plus loin ou est-ce qu'ils conservent cet aspect arcade? Tu pointes un des défauts. Ils nous ont voulu la corriger, mais en la corrigeant, ils ont rajouté un défaut. Moi, je trouvais qu'elle était pas mal dans le premier. En fait, le problème de la conduite du premier épisode, c'est les démarrages. C'est dès que tu mettais un coup d'accélérateur, les bagnoles, elles partaient comme c'est pas permis. Je trouvais qu'on sentait bien leur poids. Une fois que la voiture était lancée, en fait, je trouvais la conduite agréable. Mais c'est vrai que les démarrages étaient catastrophiques. Là, ils ont corrigé ça, c'est-à-dire que les voitures sont beaucoup moins nerveuses au démarrage. Par contre, les freinages sont juste... Enfin, c'est de l'ultra ABS, genre tu t'arrêtes en 10 mètres, et du coup, ça donne une conduite très saccadée. Moi, je trouve qu'elle reste quand même bien supérieure. C'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai qu'on voit notamment des à-coups sur les côtés.
lorsqu'il y a des corrections de trajectoire. Oh bah c'est pas pire que dans Mafia 3, hein, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, parce que Mafia 3, tu peux faire danser la voiture alors qu'elle roule à 20 km/h. Moi, personnellement, je trouve quand même qu'on est au-dessus de ce qu'on voit dans pas mal de GTA-like. J'aurais pas à corriger les choses comme ça, quoi. Elles sont un peu plus agréables à piloter, mais je trouve maintenant qu'elles sont devenues trop légères, les voitures, et justement, du coup, ça cause des freinages beaucoup trop vifs et donc des à-coups qui sont pas toujours agréables. Mais ça reste quand même, je trouve pas du tout pénalisant pour le jeu qui, quand même, utilise un petit peu, comme un vrai GTA-like, pas mal de courses-poursuites comme il faut. Stone, il y avait un autre point sur lequel tu avais été déçu dans le premier Watch Dogs ? Ouais, sur le côté, tu parlais un peu des dialogues qui ont l'air de te plaire. Du point de vue de la narration, le premier laissait un peu le truc de côté. Enfin, il y avait une histoire, mais c'est ce que tu disais, elle était très premier degré. Les enjeux, on s'en foutait un peu, même si l'histoire était assez grave. Enfin, les thèmes du premier étaient assez graves. Mais c'était très vite délaissé, mélangé dans un melting pot de persos secondaires. C'est surtout, il y avait une espèce d'ambivalence dans le discours, parce que tu étais censé être quelqu'un qui protégeait les gens grâce au hacking, mais par contre tu pouvais vider leur compte en banque sans problème. Enfin, en pleine rédemption, parce que je t'en voulais de la perte de ta petite sœur, enfin, de ta nièce, et d'un côté de ça tu pouvais arroser tout le monde à la M4 dans la rue. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est là au niveau du scénar? Enfin, bon, c'est toujours le côté faire tomber Bloom, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment un enjeu derrière? On a un peu le même souci. On a un jeu. En fait, je pense que le problème du jeu, c'est qu'il fait face à trop. Il finit par y avoir trop de ramifications scénaristiques pour justifier pas mal de missions secondaires. Donc c'est vrai que la trame principale parfois est un petit peu noyée là-dedans. Et je trouve aussi que on retombe avec une contradiction parce qu'on joue un héros qui fait partie d'une sorte de Anonymous un peu fun. Et qui du coup doit dénoncer des grandes multinationales, sauf que du coup on a quand même un héros qui peut tout à fait sortir une Kalachnikov et démonter un mec qui est garde de sécurité dans un H&M et qui a rien demandé, quoi. Je veux dire, il y a une mission où on rentre dans le Google pour aller pirater les serveurs. Si tu veux, tu peux démonter tous les gardes que tu veux. Alors que justement, tout le jeu, c'est de démontrer, regardez, on est dead sec, on veut dénoncer le grand capital et on est cool, on veut sauver un peu. Donc il y a une contradiction de ce point de vue-là. Si tu joues comme le jeu doit être joué, c'est-à-dire en mode infiltration, tu ne tombes pas sur cette contradiction-là, mais le jeu autorise quand même, est un peu pernicieux, il t'autorise quand même d'être violent, donc il y a une contradiction de ce point de vue-là. Quant à la trame principale, elle se perd, voilà, comme je disais, avec un peu les objectifs secondaires qu'il peut y avoir, et je trouve qu'il y a des petits déficits de mise en scène sur certains éléments clés du scénario, qui sont un peu traités trop rapidement, on comprend, et du coup on manque d'empathie parfois avec certains personnages, quoi. Donc il y a du plus et du bien. Je trouve qu'il y a une très bonne écriture des cutscenes, mais elles sont pas encore aussi efficaces qu'elles le pourraient, quoi. Bah moi, l'impression que j'avais eue, c'était que surtout il y avait un énorme travail des dialogues en dehors de la trame principale. Moi, j'y ai joué un peu hier soir, j'ai passé 2 heures dessus, et c'est vrai que déjà tout est doublé en français, vraiment partout. Je sais pas si c'était le cas pour le premier, mais là, il y a vraiment énormément de dialogues, que ce soit des dialogues que tu peux intercepter dans la rue, des dialogues que tu peux hacker sur les téléphones, les choses comme ça. C'est bien écrit aussi, et il y a surtout une attention à plein de petits détails que tu avais déjà un peu dans le premier, où tu avais plein d'histoires parallèles qui pouvaient te faire réfléchir un peu plus sur tes actions, on va dire, en général. Tu pouvais hésiter, par exemple, à voler de l'argent ou à hacker des mecs parce que tu voyais que, je sais pas, ils étaient en phase terminale de quelque chose ou une maladie, ou ils avaient autre chose, ils avaient pas un seul copec sur leur compte en banque. Mais pour le coup, de moi, c'est le coup des armes. En fait, on me demande, enfin, je sais pourquoi ils les ont laissés, parce que c'est vrai que vendre un open world à la GTA sans les armes, c'est un peu compliqué encore aujourd'hui. Mais à côté, t'as Tommy François, là, je voyais hier soir, qui faisait une déclaration en disant « Je suis sûr qu'un jour, on pourra faire des GTA sans les flingues. » Je me demande pourquoi ils n'ont pas commencé maintenant, parce que t'aurais pu très bien avoir ton hacker avec son yo-yo magique pour faire de l'infiltration. Sa boule magique pour faire de l'infiltration. Et peut-être une ou deux armes de lancer, mais pas létales, tu vois, des trucs, je sais pas, des flashballs. Des tasers. Il y a déjà des tasers et tout, donc... Il utilise un pistolet tranquillisant, et le jeu, de toute façon, tel qu'il est conçu, vraiment,
te déconseille entre guillemets d'utiliser les armes. Mmh. Dès que tu sors un gun, les gardes ils se mettent vraiment en mode ultra vénère et l'IA est très agressive, parfois limite un peu trop, et il y a surtout ce fameux sixième sens du je sais où t'es, ouais. Alors que tu peux être planqué à l'autre bout du niveau, ils vont naturellement venir vers toi. Donc utiliser les armes, ça reste une très mauvaise idée. Moi je pense qu'effectivement ils auraient dû aller jusqu'au bout et pas les mettre. Mais la principale arme qu'on te donne, c'est le pistolet tranquillisant, mmh. et c'est le hacking. Et vraiment, tu peux tout à fait, et le jeu te récompense, même c'est de toute façon gratifiant de jouer comme ça. Il vaut mieux jouer en restant, voilà. Donc, tu peux oublier les armes. Ça reste une incohérence de les avoir mises, mais en même temps, le jeu te remet dans le droit chemin un peu naturellement par sa difficulté. Okay. Ouais, bah c'est vraiment un peu plus appréciable. Bon, après, il reste toujours les voitures où tu peux moissonner des gens encore plus facilement. Oui, c'est pas censé être fait pour ça. On a loin. Crevette, je voudrais quand même attirer ton attention sur un point qui a évidemment beaucoup divisé sur le premier Watch Dogs, et c'est d'ailleurs un peu la conclusion de cette présentation. C'est un point d'ailleurs qui, je pense, lorsque je lis un peu les commentaires sur Internet maintenant autour de Watch Dogs 2, qui a peut-être porté préjudice à cette suite, la tromperie qu'il y a eu entre les premières images du jeu et le résultat final. Le terme downgrade a été popularisé à ce moment-là. Là, du coup, bon, il n'y aura pas de downgrade, parce que la communication, j'ai l'impression, a été un petit peu plus transparente et honnête vis-à-vis du jeu. Est-ce que... plus rapide aussi. Et un peu plus rapide, c'est vrai qu'il y a eu peut-être moins de temps aussi pour se tirer sur la nouille sur les graphismes. Est-ce que, du coup, visuellement, ça tient la route? Ou est-ce que tu as quand même l'impression d'avoir un jeu qui aurait pu faire beaucoup mieux là-dessus? Écoute, je sors de Mafia 3, donc il est absolument époustouflant. mais en plus, bon, c'est une blague sans être une blague. C'est-à-dire que je sors de Mafia 3 et franchement, Watch Dogs 2 est magnifique. Maintenant, si j'ai rebranché The Division, par exemple, pour comparer avec un autre open world Ubisoft, et je trouve que Watch Dogs 2 est moins réussi qu'un The Division. Je pense... je me trompe peut-être, mais je pense que le jeu est développé sur le même moteur que le premier. Un moteur qui a été corrigé, mais un moteur qui, à mon avis, est bon pour la poubelle, parce que c'est un moteur qui est beaucoup trop gourmand et qui n'est pas capable de faire ce que les développeurs ont envie qu'il fasse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent qu'il y a un aliasing vraiment dont ils n'arrivent pas, à corriger. En tout cas, moi j'y joue sur PlayStation 4 d'origine. Je n'ai pas essayé la PS4 Pro. Apparemment, l'aliasing est moins présent sur PS4 Pro, mais sur une PS4 normale, comme 99% des joueurs, il y a vraiment un aliasing qui rend vraiment les graphismes un peu cracra. Bon, il y a des petits soucis de framerate assez légers. Ce qui m'a vraiment gêné, c'est les effets de particules qui sont... Enfin, c'est même pas des effets de particules, d'ailleurs, c'est les explosions qui sont dégueulasses. On est encore avec des bitmaps 2D comme dans le premier épisode. C'est-à-dire que tu vois un truc qui explose et en fait, c'est juste des gifs qui se superposent. Alors que dans The Division, encore une fois, il y a des effets de particules qui sont juste ouf. Ubisoft, qui a l'habitude de prêter des technologies de studio en studio, là, aurait bien été inspiré d'aller choper certains trucs pour Watch Dogs 2. Voilà, le jeu reste très beau, reste jouable, mais un petit peu décevant à mon sens, même si voilà, le cadre de jeu, ce San Francisco hyper coloré, reste quand même super cool à découvrir. Surtout, il y a plein de lieux hyper emblématiques, voilà, le Golden Gate, Alcatraz, se promener dans la Silicon Valley, rentrer dans les bâtiments de Google et tout, enfin voilà, c'est super fun. Mais c'est vrai que j'ai quand même une déception par rapport à cet aliasing, et voilà, il y a vraiment un rendu un peu crade qui n'est pas toujours agréable. J'avais l'impression en fait que de me retrouver à la période où c'était la transition entre la PS3 360 et la PS4, et où tu avais, si tu voulais avoir le jeu propre, tu l'avais sur PS4, et ben là, c'est vraiment le... C'est exactement ça. C'est la transition avec la PS4 Pro, quoi, et j'ai pas encore vu j'ai vu des comparos avec la PS4 Pro. Effectivement, il y a beaucoup moins d'aliasing, ça a été prouvé. Par contre, il y a des soucis de performance après sur tout ce qui est framerate et tout ça, mais je trouve que le jeu aussi gagne, comme tu disais, avec la couleur, et notamment le travail sur les lumières. Je trouve est vachement mieux mis en valeur dans le deuxième épisode que dans le premier. Que j'avais lâché assez rapidement pour plein de raisons, mais aussi pour la DA qui était vraiment quelconque, quoi. Alors que là, t'arrives à rentrer dedans, il y a vraiment des ambiances qu'ils arrivent à poser avec tous les jeux de lumière et de couleurs, et je trouve que c'est un peu plus facile. Pour synthétiser, Crevette, t'es plutôt en train de nous le conseiller, t'es plutôt en train de dire justement qu'il faudrait peut-être donner une seconde chance à Watch Dogs avec cet épisode-là.
Franchement, si t'as joué au premier Watch Dogs, en fait, il faut essayer de cerner ce qui t'a pas plu dans le premier Watch Dogs, quoi. Si c'est le scénar, si c'est l'univers, si c'est la ville, ce Chicago automnal un petit peu grisâtre et tout, tu peux carrément donner sa chance aux deux. Parce que voilà, il développe vraiment ce gameplay hacking en ajoutant plein de trucs nouveaux, et le nouveau cadre de jeu est vraiment top. La tonalité légère le fait et tout, donc il y a beaucoup d'éléments qui pourraient permettre de donner sa chance à cette suite, quoi. Même si il y a encore des petites choses sur lesquelles il faut bosser, quoi. Et enfin, ma dernière question, où est-ce qu'on peut acheter la lampe Zelda qui est à ta gauche? Je ne sais pas. Écoute, on mettra le lien. On mettra un petit synthé vers un petit site web qui vend ce genre de choses. Merci Crevette pour ton temps, pour ta présence et ton avis sur Watch Dogs 2, donc disponible cette semaine sur PC et console. La bise à Albi. On espère que vous aurez un peu plus de chaleur que chez nous, parce que pour l'instant ça glisse. Tu vois pas ce soleil de ouf là, regarde. Non, je vois rien. Je vois un mur blanc, désolé, et un monsieur tout blanc aussi. Voilà, merci Crevette pour ta participation à cette émission exceptionnelle, évidemment. On remercie bien toutes les équipes techniques qui sont mobilisées pour cette retransmission satellite. Cognac G Albi. Bon, en tout cas, voilà, à refaire sans doute si ça vous a plu. Crevette, bonne fin de semaine, bonne fin de test pour Watch Dogs 2. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, peut-être avec un autre sol. En tout cas, je l'espère. Pas des phrases que tu dis tous les jours. J'espère qu'on aura un nouveau revêtement pour le sol. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Salut. Tous. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Salut. Tous. Oh. Oh. Guy love, that's all it is. Guy love, he's mine, I'm his. There's nothing gay about it in our eyes.